Team 24. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Barry, Mamadou Houri Diallo, Akoumba Diallo, Kabiné Fofana, Ibrahima Lincoln Souma. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de nous rejoindre, c'est Mirador. Nous sommes le mercredi 10 mai, toute l'équipe au grand complet pour vous servir et vous accompagner jusqu'aux portes de 11h. À la une, transition guinéenne, les forces vives de Guinée, amenées par les anciens premiers ministres Sidya Touré et l'AGC Louda Alain Diallo, en intelligence avec l'ancien président Alpha Condé, appelle les Guinéens dans la rue ce mercredi, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays, première du genre d'une série de marches pacifiques et citoyennes le long du mois de mai en cours, au rythme de deux manifestations par semaine, conséquence directe de l'échec de la médiation des chefs religieux du pays. Ces manifestations, il faut le rappeler, pour autant non autorisées, visent, selon leurs organisateurs, nous citons, à demander au CNRD, au gouvernement de transition, la libération des otages et le retour rapide à l'ordre constitutionnel, conformément à ton engagement pris le 5 septembre 2021 par le colonel Mamadi Doumbouya. Dans un message dit d'orientation stratégique diffusé hier, le comité d'organisation de ces manifestations a lancé un appel de sursaut patriotique à toutes les composantes politiques et socio-professionnelles du pays à fortement se mobiliser pour, dit-il, nous citons, imprimer un succès retentissant à celle-ci, donc à ces manifestations. Comme à chaque appel à manifester, la psychose règne au sein des populations à cause des violences récurrentes enregistrées à cette occasion avec à la clé des cas de mort, de blessés et de casse. Comment les forces vives de Guinée comptent-elles s'y prendre dans un contexte où les rassemblements politiques restent et demeurent interdits? Réussiront-elles à mobiliser au-delà de l'autoroute le prince? C'est le gros défi en tout cas de la journée. Qu'espère-t-elle obtenir à travers ces manifestations? L'autre interrogation sur la table, plusieurs acteurs donc dans les rangs des forces vives de Guinée prendront la parole tout au long de cette émission. À défaut du rapport qu'ils avaient annoncé il y a deux semaines, les chefs religieux de la Guinée, visiblement à la peine dans leur médiation, se contentent d'un communiqué dévoilé hier soir au JT de la RTG, soit la veille du début des manifestations de rue organisées par les forces vives de Guinée. Un communiqué qui persiste à faire état de trois préoccupations et non des sept préalables posés au gouvernement par les forces vives de Guinée. Selon les leaders religieux, le premier ministre, nous citons, a répondu favorablement à la demande insistante des religieux portant sur la levée du contrôle judiciaire à l'endroit des membres des forces vives de Guinée, 2, la mise à disposition des religieux de Fonny Kemenge et compagnie. Peut-on lire dans le dit texte signé du premier imam de la grande mosquée Faisal et de l'archevêque de Conakry? Enfin, les chefs religieux encouragent d'une part le gouvernement à poursuivre sa politique de main tendue et d'autre part exhortent les forces vives de Guinée à rejoindre le cadre de dialogue inclusif. Ce communiqué a-t-il été suffisamment complet sur les faits ayant marqué la médiation des chefs religieux du pays? C'est l'interrogation que Talibé Barry pose ce matin. Mirador et ses chroniqueurs passeront au crible les dits et non-dits de cette sortie des prélats médiateurs. Le général Sadiba Koulibaly, jusque-là chef d'état-major général des armées guinéennes, vient d'entrer au gouvernement en qualité de ministre de l'urbanisme, de l'habitat, de l'aménagement du territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État. Selon les décrets lus hier mardi au JT de la télévision nationale, c'est désormais le général de brigade Ibrahima Sori Bangoura Biss qui assumera les fonctions de chef d'état-major général des armées. Le départ du général Sadiba Koulibaly de cet important poste de la grande muette guinéenne relance le débat sur ses propos tenus le 4 mai dernier sur le plateau de la RTG Koulouma. Il n'y a pas de problème entre le président de la transition et moi, avait-il déclaré, pour couper court aux rumeurs décrivant des relations exécrables tendues entre lui et le président Mamadi Doumbouya. Sadiba Koulibaly, il faut le rappeler, avait même ajouté, comme par prémonition, citation, c'est le président de la transition qui nous a mis à ses postes par confiance. Nous sommes là pour un temps, le temps que nous méritons, sa confiance, avait-il ajouté dans des propos rapportés par la presse. Peut-on en conclure que le général Sadiba Koulibaly est bel et bien en disgrâce auprès
du colonel Mamadi Doumbia. C'est la principale interrogation que nous nous posons ce matin. Et nous passerons au crible, nous décrypterons donc cette actualité militaire guinéenne. Encore une fois, merci du choix et merci de nous rejoindre. Bienvenue. Des prédateurs et prévaricateurs passés sous nos fourches cordiers. Perchés sur notre mirador en ligne de mire, concussionnaire. Des prédateurs et prévaricateurs passés sous nos fourches cordiers. Excusez-moi, le gars, c'est pas grave. Oh, désolé, c'était les entrées. Non, t'inquiète. Mais attends, vous avez tous quoi à sourire aujourd'hui là? Mais tu sais pas? Non. C'est la folie chez Mouna. Regarde. L'internet n'est pas un luxe. Mouna, vous l'avez dit. Offrez-vous une connexion illimitée jusqu'à 20 mégas avec la fibre optique au prix de 690 000 francs guinéens. Si, si, je répète, au vrai prix de 690 000 francs guinéens. Ce n'est pas beau ça? Et ce n'est pas tout. Mouna et Canal+ associent l'internet à votre abonnement télé. Recevez vos programmes TV via MyCanal tout en profitant de l'illimité pour une seule facture. C'est seulement Mouna qui fait ça. Pour vous abonner, appelez le 95 ou écrire à vente@mounagroup.com. Mouna Group Technologies, nous faisons mieux. Sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre. Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Encore une fois, merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à cette émission. Vous êtes aux quatre coins du monde. Vous nous rejoignez sur la crête de l'investigation journalistique en République de Guinée via nos canaux digitaux www.filmguinée.com, la chaîne YouTube de Film 24 ou encore la page Facebook de Film Guinée. Merci de nous rejoindre. Vous êtes également en province. Vous êtes sur nos canaux, plutôt sur nos médias partenaires. Merci d'être là, merci d'être au rendez-vous de la Guinée. Monsieur le DDR, bonjour, bienvenue. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Bienvenue. Cabinet, bonjour. Bonjour Aboubakar et bonjour à tous. La pose de la première pierre des hôpitaux régionaux de Kindia et de l'Abbé sont programmées. Définitivement acté, donc le 15 ça sera à Kindia. Ensuite le 17 pour l'abbé. Donc il s'agit d'hôpitaux régionaux, modulaires et évolutifs puisque ça peut s'extendre. C'est donc près de 200 lits qui vont être construits. L'hôpital va contenir 200 lits sur place et avec toutes les commodités. Exactement. Donc c'est un peu dans le cadre du PNDS 2015-2024. Bien. Donc la Guinée s'est fixée pour objectif de doter les régions donc d'hôpitaux régionaux qui peuvent être avec la possibilité d'être. Si je comprends bien, c'est des hôpitaux qui sont différents de ceux qui existent déjà.
Oui, c'est des nouveaux hôpitaux. C'est des très nouveaux bien. Hôpitaux. Oh, parce que quand à un hôpital régional, tout comme Kindia, d'autres régions. Oui, ce qui change, c'est que... Quelle est la différence? La différence, c'est que ces hôpitaux-là, ce sont des nouveaux hôpitaux, très évolutifs, bien. Modernes, qui peuvent aller vers des centres hospitaliers universitaires. Et c'est vraiment tout bénef, puisque au niveau de ces hôpitaux-là, d'autres pathologies peuvent être prises en charge, ce qui bien. Change Donc chacune de ces régions aura deux hôpitaux régionaux, alors? Exactement. Bien. Non. Ben non, mais il faut nous expliquer, non, cabinet, un hôpital parce qu'on veut bien régional, comprendre. Un hôpital régional... À Kindia, un à l'abbé. Pour le moment, c'est les deux qui vont être... Mais Kindia a déjà un hôpital régional. Expliquez-nous comment ça va se passer. Mais je vous Est-ce dis... que c'est l'hôpital régional c'est différent. Qui existe déjà à l'abbé qui va être... Voilà, qui va être... Non, attendez, quand même, je pose des questions que tout le monde peut se poser. Il y a bel et bien un hôpital régional à Kindia. Comment ça va se passer? Est-ce que c'est cette infrastructure qui existe déjà sur place, qui va être transformée, qui va être modernisée, qui va être étendue, dont on va faire l'extension? Ou c'est un nouvel hôpital qui sort des terres? C'est de nouveaux sites qui sont identifiés. Voilà. Et des hôpitaux neufs, flambants neufs, vont être construits là. Et qu'est-ce qu'on va faire des autres hôpitaux régionaux? Non, mais je crois qu'il y a un plan de relance qui va être fait. Déjà, le ministre nous disait que ces hôpitaux-là sont en train d'être équipés. Bien. Il y a un plan qui est mis en place. Donc celui-ci-là, c'est des hôpitaux, c'est un hôpital neuf régional qui va Bien. Être mis en place. Financé par un Par EFAGE. EFAGE va construire et c'est HP, les hôpitaux de Paris, qui vont donc piloter le volet technique de ces hôpitaux Bien régionaux. Bien dit. Manu, bonjour, bienvenue. Bonjour Abakar et bonjour à tous. Bien. Licron, bonjour Bassicolo. Bonjour Abakar, bonjour à toutes et tous, nos amis dans les taxis Maguala Bombona. Bonjour à tous les réfugiés guinéens du côté de Kamsar. Eh ben. Oui, ce sont des réfugiés. Hier, le directeur vous a envoyé un message comme quoi tous ceux qui sont déguerpis avaient été quand même dédommagés. Dédommagés, oui, bien non, sûr. Non, ce n'est pas vrai. J'apprends des sources sûres, des habitants vrai. De Kamsar qui disent que ce n'est pas tout le monde qui a été dédommagé. On parle même du quartier Amasef dont les primes sont tombées il y a longtemps, mais les autres... Appelons-les les déplacés domestiques. Non, je dis les Bien. Réfugiés non, de déplacés. Kamsar. Non, les déplacés domestiques. Bien. Dans votre pays... Parce que si cette expression, si est mieux, hein, les déplacés domestiques. Dans votre pays, si vous n'avez pas de domicile, vous dormez dehors, vous n'avez pas où aller, vous êtes réfugié dans votre propre pays. N'ayons pas peur des mots. Bien. Cabinet, donc la précision est là, il y a à côté des hôpitaux régionaux, ces infrastructures hospitalières qui vont être construites, ce sont des CHU. Oui. Ce sont des CHU. Exactement, bien. Des centres hospitaliers universitaires. Très bien, voilà. Exact. Donc c'est ça la différence. Ouais. Licon. Donc on apprend que c'est un quartier à Massef dont les habitants ont reçu des dédommagements. Et cela date du temps de Kemoko Touré, selon des informations. Mais les autres, il n'y a pas eu de dédommagement. Il n'y a rien eu. Mais on se demande quelle est l'urgence pour laquelle aujourd'hui on met les citoyens guinéens dehors en pleine saison hivernale. Mmh. Les lois guinéennes interdisent que vous mettez même votre propre locataire dehors pendant la saison hivernale. Et pourtant, est-ce que demain, les cités vont être construites ou bien on fera comme le cas de Caporail où pendant plus de combien d'années, il n'y a pas de construction? On fera comme Kamayen, où on met les gens dehors sans construire. Il n'y avait aucune chance. Maintenant, pour Kamayen, je pense qu'on a pu nous procurer le plan d'aménagement, de modernisation de Kamayen. Vous allez voir, on va projeter ces images ici. Ça va être extrêmement moderne. Ça sera fait quand? C'est ça aussi? C'est la question. C'est la question. Donc, je ne suis pas à mesure de te donner une réponse. Et une fois de plus, arrêtons de mettre les gens dehors quand on n'est pas prêt à construire. Bien. Et respectons nos lois en ne mettant pas les gens dehors bien. Pendant la période de grande pluie. Merci bien, Bassicolo. Talibé, bonjour, bienvenue. Bonjour, le juste, bonjour à tous. Bonjour à monsieur Mamadou Antonio Soare. Bien. C'est son anniversaire. Le PCA du groupe SAM GBM. Groupe SAM GBM, donc PCA du groupe Fréquence Média. Joyeux anniversaire à lui, ce grand homme au cœur large. Bien entendu. Qui est donc un des grands pourvoyeurs d'emplois dans ce pays. Ouais. À travers toutes les activités, qu'elles soient sportives, culturelles, de médias, comme chez nous, 6 médias, le groupe Fréquence Média, et tant et d'autres entreprises, des hôtels et autres. Longue vie, monsieur Mamadou Antonio Soare. Bien, Dieu vous garde encore pour longtemps, pour nous et pour la Guinée. Bonjour, l'enfant du carré magique. Bienvenue. Bonjour, l'influenceur ouest-africain. Bonjour, traditionnel à mes parents de Nyonso Moridou. Bonjour à ceux de Kouin, à ceux de Komodou, à ceux de
Kwankan. Bonjour Azali Kolé. Bien. Et Aboubakar, je voudrais rapidement vous dire qu'il y a un cancer qui commence à ronger la gouvernance CNRD. Ouais. Et la refondation était censée l'enterrer et sinon complètement l'éliminer, ce cancer. C'est l'étiquetage politique et ethnique. C'est extrêmement grave. Et malheureusement, ça commence déjà dans le gouvernement Goumou. En ce qui concerne cet étiquetage, c'est que maintenant, les gens ont été nommés sur base de CV, sur base de leur expérience. On est venu en équipe, en frère, en compétent, en dévoué pour la République. Maintenant que tout le monde est installé, ça commence à se servir. Et il y a des petites jalousies. Les gens se veulent les places des uns des autres. Et on commence à les étiqueter. Et vous savez qu'il y a des remaniements qui pointent à l'horizon. Attendez-vous à ce que certains soient enlevés, pas parce qu'ils n'ont pas fait le boulot, mais parce qu'on les a suffisamment et négativement étiquetés que Mamadi a déjà mordu à l'hameçon. Certains ont leur dit, bon, écoutez, monsieur le président, je pense que celui-là, là, il a des accointances avec l'UFDG. Si jamais Selou n'est pas candidat, c'est lui qui serait leur candidat. Attention, celui-là, là, c'est lui qui remonte les infos à Alpha Condé en Turquie. Attention, attention. Ils ne sont pas beaucoup, mais vous verrez qu'il y a un minimum de gens. Quand on les enlèvera, vous ne verrez aucune raison en fait valable pour laquelle on les a enlevés. Mais tout simplement parce qu'on a convaincu Mamadi qu'ils sont proches de celui-ci ou celui-là. C'est extrêmement grave pour des gens qui veulent tout simplement prendre les postes des autres. Bien. Au lieu de les faire valoir sur la base de leur CV. Et c'est en cela que j'encourage Cabinet Yakumba de nous sortir les CV authentiques. Pas seulement que des ministres, mais des secrétaires généraux. Ouais, mais décidément, des secrétaires généraux c'est tout ce travail, voilà, il finit jamais. Il faut le finir. Mais pas seulement. Depuis une éternité. Je dis, les CV authentiques, mais pas seulement des ministres. Bien. Des secrétaires généraux. Merci. Des directeurs généraux, qu'on sache qui faisait quoi, soit en Guinée ou à l'extérieur ou en dehors de la Guinée. Bien. Maintenant, je passe à Aboubakar pour cette alerte en Russie. Du côté de la Russie. Du côté de la Russie, les étudiants et doctorants guinéens, nous avions déjà parlé de leur cas dans cette émission, qui tirent le diable par la queue. La queue qu'ils ne verraient même plus selon Lincoln. Depuis plus de 9 mois, leurs bourses ne sont pas payées. Malheureusement, la Direction nationale des bourses extérieures ne se bouge pas, n'a fait aucun communiqué, n'a donné aucune perspective, aucun espoir à ces messieurs, à ces jeunes et étudiants de ce côté. Et donc, ils sont fait malmener par la police russe. Ils ont décidé de prendre d'assaut l'ambassade de Guinée en Russie. Vous voyez en direct donc les images. L'ambassadeur de Guinée en Russie a fait appel donc à des policiers russes qui sont venus donc les contrer. Les rosser. Et on peut donc utiliser ce terme puisqu'on les voit en train de se faire malmener devant l'ambassade de Guinée en Russie. Donc l'heure est grave. On interpelle directement Maurice Sanda sur cette situation, même si, évidemment, ce n'est pas lui qui gère les questions de bourse, mais c'est une question de diplomatie après tout. Mais au plus haut lieu, le président de la République, parce qu'à lui est rattaché, sauf si je me trompais, Le SNAB. Donc ça dépend directement de lui. Ouais. Donc la volonté du président doit se ressentir sur la situation de ces gens-là qui galèrent de ce côté. Soit on leur dit, on n'a plus d'argent pour vous donner les bourses, débrouillez-vous par vous-même à travers vos parents, ou on leur a déjà garanti cette bourse et on leur donne à temps. C'est aussi simple que ça. Parce que pendant ce Pourtant, temps, on sait bien, eux qui sont, on qui sait sont bien dans tous. Le gouvernement, ils prennent leurs 40 millions, leurs 50 millions, leurs 60 millions, leurs 100 millions de salaire à date. Ils prennent leur ticket de carburant à date. Ils prennent autre chose que nous ne savons même pas avant la date même. Et donc, ils ont des chantiers ici et là. Ces gens-là sont en train de mordre la poussière du côté de la Russie, mais aussi des damnés de la terre, mais aussi de la Turquie, il faut ajouter au Maroc, pardon. Donc il faut faire face à cette situation. Comment on peut les appeler autrement, des crève-faim, voilà, qui sont qui sont un peu disséminés aux quatre coins du monde, nos pauvres étudiants et doctorants guinéens. Donc comme vous l'avez vu sur ces images qui se sont fait copieusement rosser par la police russe. Ceci dit, Talibé, on parle de diplomatie ce matin. Maurice Sanda est du côté de Rabat, du côté du Maroc. Du côté du Maroc, un déplacement d'une haute importance. Quand on sait, Aboubakar, tout ce que le Maroc fait dans d'autres pays, que le Maroc avait commencé à faire en Guinée sous le président Alpha Condé. On se rappelle que le roi du Maroc avait même séjourné ici et plusieurs projets avaient été lancés. Donc, pendant cette transition, il ne faut pas laisser les projets dormir. Il faut continuer à entretenir ce axe qu'on a créé Rabat et faire en sorte que nous puissions nous aussi davantage tirer profit des investissements marocains à travers le continent. Alors, on apprend que le ministre des Affaires étrangères était porteur des messages du président Mamadi Doumbouya
au roi du Maroc. Et par la suite, il y a eu une réunion dont on a vu les images hier dans le JT de la RTG. Ouais. Et on apprend que. Un tête à tête avec son homologue marocain. Voilà, c'est une réunion, selon ce qu'on apprend, préparatoire de la grande commission mixte Guinée-Maroc qui doit se tenir au mois de juillet prochain du côté de Rabat. Ouais. Donc, il y a eu des accords qui ont été signés. Donc, déjà. En vue de cette grande commission mixte, on apprend par exemple que dans le domaine du voyage des Guinéens vers le Maroc, vous savez, il y a eu une histoire d'AVM. L'instauration du fameux AVM. Autorisation électronique de voyage au Maroc. Au Maroc, effectivement. Qui a été imposée aux Guinéens, aux Congolais, du Brazzaville et aux Gabonais. Voilà, ouais, notamment. On apprend donc que le ministre des Affaires étrangères a obtenu l'annulation de l'AVM. Eh bien, c'est une excellente nouvelle alors. Et que désormais, l'État guinéen va mettre un système de contrôle ici, géré par les Guinéens même. Par la police guinéenne. Par la police guinéenne, de sorte à ce que n'importe qui ne puisse pas s'y rendre, en tout cas pour ceux qui, pourraient constituer éventuellement une source de problème du côté de. Donc, ouais, j'ai cru avoir entendu Maurice Sanda dire que la Guinée s'engage à faire en sorte que, voilà, il ne soit pas, en tout cas, un pourvoyeur d'immigrés clandestins. Hein. D'immigrés clandestins, donc un contrôle en ici va être mis en place, mais contrôle plus strict. Voilà, plus strict. Mais l'AVM, lui, il est donc annulé. On apprend aussi. C'est officiel. Oui, c'est officiel. Ben voilà, c'est bien de le dire. On apprend. C'est bien de le savoir. Voilà, on apprend. Donc l'État guinéen doit travailler à mettre rapidement en place ce dispositif. On apprend également que les bourses d'études annuelles qui profitaient à 220 étudiants par an a été rehaussé de 30 nouvelles places, c'est-à-dire. Donc ça passe de 220 à 250. Très bien, très bien. Donc étudiants. Et on apprend également que, en tout cas, le ministre des Affaires étrangères a profité de son séjour pour demander que le ministre, son homologue marocain, au regard de l'agenda très chargé du roi, que le ministre des Affaires étrangères marocain puisse venir inaugurer ici en Guinée. La centrale à gaz du côté de Cancan. Du côté de Cancan. Voilà, financée par les Marocains, mais aussi les écoles régionales des arts et métiers, les IRAM, voilà, qu'elles soient également inaugurées par le ministre des Affaires étrangères, mais aussi des débarcadères que le Maroc a financé. En Guinée. Tout ici. Comme cette infrastructure tout près ici à Nongo, qui n'a pas encore été inauguré aussi. Oui, justement. Donc, en tout cas, il y a une série d'inaugurations prévues à l'occasion du séjour du ministre des Affaires étrangères ici en Guinée. On apprend aussi que voilà, le Maroc était en train de financer un centre pour mères et enfants du côté de Sonfoné, apparemment qui serait en souffrance. Et tout comme cette mosquée, vous savez, il y a une mosquée du côté de Anta, ouais. Une très belle mosquée. Financé par les Marocains, est-ce que ce sera l'occasion d'inaugurer cette autre mosquée? Toujours est-il qu'il y a un paquet d'infrastructures dont la construction est terminée et qu'il va falloir inaugurer et profiter à Bakar de cette occasion pour remettre à flot cette opération. Oui, parce que la vérité, Talibé, Manu, la vérité, c'est que depuis quelques années, le Maroc semble se détourner de la Guinée à comparer ce que fait le Maroc dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Quand vous venez à Abidjan, vous voyez les grands chantiers qui sont ouverts par le roi sur place. Ça n'a rien à voir avec ce qui se fait en Guinée, la Guinée dont il semble se détourner. Mais on peut bien comprendre cela parce que ce n'est pas forcément l'État du Maroc qui décide de mettre son argent en Guinée. Ce sont des entrepreneurs marocains, ce sont des hommes d'affaires marocains, évidemment accompagnés et parrainés par le roi du Maroc, donc qui ne vont pas mettre de l'argent dans un pays instable. La Guinée est un pays politiquement très instable, même avec le régime Alpha Condé. Alpha Condé qui s'est quand même battu parce que le roi est venu en Guinée à une très belle occasion. Beaucoup d'accords ont été signés à l'époque. Mais puisqu'on a aussi un pays permanemment en trouble, comme ça l'est d'ailleurs aujourd'hui,
on peut bien comprendre que des pays qui veulent investir puissent ralentir, parce que vous ne savez pas quand est-ce que ça peut commencer. Quand est-ce que ça peut dégénérer. En Côte d'Ivoire, ils ont eu leur clash, ils ont eu leur guerre, mais quand même, après cela, c'est un pays qui s'est remis au travail, qui s'est stabilisé. Donc ça c'est une explication de mon point de vue. Donc la Guinée gagnerait à attirer plus d'investisseurs. C'est un pays qui a beaucoup d'opportunités. C'est un pays qui est aujourd'hui très convoité par presque tous les détenteurs de capitaux, mais avec un climat politique et social aussi instable que aussi tendu, régulièrement tendu. Ce n'est pas évident d'avoir des investissements se réaliser ici comme en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Bien, voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette tournée, ce déplacement du chef de la diplomatie guinéenne dans ce contexte de transition du côté du royaume chérifien, voilà, Maurice Sanda, qui tente un tout petit peu de redonner du mordant, du piquant et du mordant à la coopération guinéo-marocaine. Fine FM, l'enjeu est... Mirador, tour de chauve. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Allez, l'icône, on s'intéresse à présent à la grande muette. Depuis donc quelques jours, ça semble être la principale préoccupation du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Après le bataillon de sécurité présidentielle, après le BIR, le colonel Mamadi Doumbouya a de nouveau apporté des réaménagements au sein de la Grande Muette. Et cette fois-ci, c'est le patron même de cette armée, le chef d'état-major des forces armées guinéennes, à l'occurrence le général Sadiba, qui est concerné, donc qui perd la confiance du président Mamadi Doumbouya. C'est l'effet Mofassori, mais il faut dire... Oh là là, mais non, dit, quel lien, comment ça? J'ai dit, on dirait que c'est l'effet Mofassori, depuis sa sortie de la Grande Muette. Décidément, l'icône, tu n'as plus que le nom de Mofassori à la bouche. Bien sûr. Mais non, mais pourquoi? Pour quelle raison? C'est que Mofassori, depuis qu'il est sorti... Mais c'est pas vrai, tout ça, c'est... Mais c'est qu'est-ce qui n'est pas vrai? C'est pas vrai. Il va vous appeler Mofassori. Eh bien, voilà, il n'a qu'à nous appeler. On aimerait bien discuter avec lui. D'accord. C'est des conneries, toi aussi, franchement. Oui. On peut appeler ça la saison des permutations en Guinée ou CNRD permutation. Rappelez-vous qu'après le duo Sekoumar Barry, Mamadi Doumbouya de l'ARPT et ensuite elle, on a assisté hier à une nouvelle permutation dans la soirée du mardi entre le tout puissant désormais ancien chef d'état-major des armées Sadiba Koulibaly et le tout nouveau général de brigade Ibrahima Sory Bangoura bis qui monte à la tête des armées. Ouais. En français facile, le général Sadiba entre le gouvernement comme ministre de l'Habitat et aménagement du territoire, parce qu'il y a eu quand même un petit changement de ce côté. Ministre de l'Habitat, de l'aménagement du territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État. C'est important. Ouais, parce que même la dénomination du département a changé. Est-ce qu'un décret a cet effet? Bien sûr. C'est la première fois d'entendre, en tout cas, le nom d'un tel département. Bien sûr. Chargé de... De toutes les façons, c'est ce que faisait déjà le général Sadiba en étant au CNRD. C'est une confiance perdue. C'est une confiance perdue. On va démontrer. Sincèrement, c'est une confiance perdue. On n'avait même pas besoin de rappeler ce rôle que Sadiba jouait sur le terrain, parce que ce sont les machines de l'armée qui démolissaient toutes les maisons. Ouais. Alors désormais. Et c'est Sadiba même qu'on voit en première ligne. Oui, sur le terrain. Lors de ces opérations de déguerpissement, de démolition. Oui, bien sûr. Entendu. Et le nouveau patron des armées, c'est le tout nouveau général de brigade Biss. Le général Biss. Alors, Aboubakar, quand Sadiba a dit à la télé que le jour où le président n'aura plus confiance en eux, ça peut changer. Ouais. On comprend aujourd'hui que la confiance s'est effritée. Mais moi, je vois déjà un piège. À un moment donné, il y a eu des bruits. Ça vient confirmer. Donc, il y avait des soucis. Mais bien sûr. Dans leur relation, il y avait des soucis au sein de la Grande Muette. C'est ce que ça vient confirmer. Mais Aboubakar, vous allez dire encore que j'aime parler de Mofassori. Depuis que Mofassori a dit que l'autre qui pourrait faire ça, c'est quelqu'un de taille moyenne, pour ne pas dire court, vous avez entendu tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, M. Sadiba rentre dans le gouvernement. Mais moi, j'estime d'ailleurs que Julien Sadiba s'est fait piéger, puisqu'il quitte la tête des armées après avoir confirmé au monde entier que tout va bien entre lui et son patron. A-t-il été poussé de faire ce discours pour pouvoir le déplacer? Beaucoup de points d'interrogation. Mais tout cela porte à croire aujourd'hui
qu'il y avait des malaises et que ces malaises sont révélés pratiquement au grand jour, puisque ce n'est pas une promotion. Mais il a dégringolé. Ouais. Le patron de l'armée est différent du ministre de l'Habitat. Ouais. Est-ce que désormais c'est un décret qui va le mettre dehors? Wait and see, comme le disent les Anglais. Bien, sachez Minton, Talibé, vers un divorce entre ces deux têtes pensantes, entre ces deux personnalités du CNRD, en l'occurrence le colonel Mamadi Doumbia et le général Sadiba. Sadiba disait lors de sa sortie le 4 mai sur le plateau de la RT, je n'ai jamais déménagé. Finalement, il déménage. Ouais. En tout cas, il faisait allusion certainement aux rumeurs qui faisaient état d'une sorte de bunkerisation, en tout cas du côté du camp Al-Fayya. En fait, il répondait à ceux qui disaient qu'il s'était retiré du côté du camp Al-Fayya, un peu en situation de résistance. Ouais. Alors, il va déménager cette fois-ci puisque finalement, il quitte ce poste important stratégique. Le patron... parce que c'est pour qu'on parle de chef d'état-major des armées. Ouais. Parce que vous avez les différents états-majors qui relèvent de lui. Ouais. Alors, Ibrahim Mansouri était, avant d'être nommé ministre de l'Habitat, chef d'état-major de l'armée de terre. Ouais. Donc, il revient au camp Samori parce que c'est là qu'il y a le BQG, le bataillon du quartier général. Bien sûr. Plus fort que quand il partait de là pour occuper le ministère de l'Habitat. Et forcément... Cela, c'est la confirmation qu'il y avait Anguille Souroche que tout ne tournait pas rond. Même si Sadiba nous a dit, on se rappelle, nous avons beaucoup à faire que de nous livrer à des batailles d'ego. Effectivement. Que de nous livrer. Est-ce qu'il le dit après finalement avoir lavé le linge sale en famille, après des jours de bruit, comme on l'a laissé entendre. Ouais, notamment avec le général Sadiba, le désormais ministre d'État, Idi Amin. Ouais. Et parce qu'il ajoutait que le peuple se rassure, il n'y a pas de problème entre le ministre de la Défense nationale et moi, il n'y a pas de problème entre le président de la transition et moi. Donc, pour qu'on déplace, en tout cas, on change de chef d'état-major, il faut l'avis, ou en tout cas l'acquiescement du ministre de la Défense, le tout-puissant Idi Amin. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte que c'est une sorte de disgrâce. Ouais, en tout cas, de l'officier supérieur respecté au parcours militaire, en tout cas, envié par beaucoup d'autres militaires, voilà qui se retrouve à un poste. Dans la dénomination Aboubakar, peut-être qu'on aurait pu faire... Dans la seule dénomination, voilà, est totalement péjorative. Oui, justement. Mais totalement péjorative. Chargé. Comment on peut vous nommer ministre chargé de la casse? C'est ce que ça veut dire. Vous êtes le ministre des casses. Oui. Vous êtes appelé au gouvernement pour casser les bâtiments. Oui, pour démolir les constructions. Oui, absolument. Parce que c'est Sadiba, on se rappelle. Ouais. On avait dit qu'il n'avait pas besoin de ça en tant que chef d'état-major. On l'a vu sur Selou Dalin. Lorsqu'on devait vider Selou Dalin, c'est lui et Bala Samoura qui étaient venus superviser une telle petite opération. Ouais. Donc aujourd'hui, on comprend bien qu'il y a un malaise et que le plus fort a décidé. Bien. Le colonel Mamadi Doumbia. Ce que ça veut dire, Bassekou, ça veut dire que le colonel... pour être honnête avec soi-même, c'est que le colonel n'avait plus confiance en Sadiba à la tête de l'armée. Oui, mais pourquoi... Pour faire court. Oui, mais pourquoi on a amené le général Sadiba à dire à la télévision nationale que tout allait bien entre eux, qu'il n'y a aucun problème, et puis quelques jours après... Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi on l'a amené? Oui, à dire que tout allait bien entre eux. Vous pensez qu'on l'a contraint? Non, s'il te plaît, Aboubakar, parce que... Moi, je ne peux pas comprendre qu'on nous dise que le général Sadiba apparaisse à la télévision nationale pour dire que tout va bien. Il annonce les raisons pour lesquelles le directeur de renseignement militaire a été limogé et tout ça. Et après, quelques jours après que lui, eh bien, il quitte ce poste extrêmement important dans une transition que nous vivons pour se retrouver à la tête du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, chargé de la récupération des domaines. Sincèrement, de mon point de vue, je pense qu'il a été réduit à sa plus pauvre expression. Oui, il a été réduit à sa plus petite expression
parce que on sait très bien que général Sadiba a été vu du côté, a été vu aux côtés de colonel Mamadi Doumbia dès les premières heures du push guinéen. Et on sait vraiment le on rôle. On sait aussi qu'il avait joué, selon ce qu'on apprend, qu'il aurait joué un grand rôle. Absolument, un rôle important, absolument. Dans l'aboutissement de ce coup d'État. Mais absolument. Alors comment se fait-il qu'au fil du temps, que cette confiance-là se perd progressivement et qu'il puisse perdre aujourd'hui vraiment ce poste-là. C'est pour cette raison, on vous dit souvent, Boakar, que les coups d'État, les transitions militaires en Guinée, en fait, les transitions militaires en Afrique ne doivent pas durer. Parce que ceux qui constituent, ceux qui sont les amis d'hier peuvent être considérés comme des ennemis. Peuvent devenir des ennemis d'aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on connaît très bien les rivalités, les tensions qui se passent. Bien entendu, les jalousies, il y a la crise de confiance, les suspicions qui s'installent. Il y a des mécontentements, il y a des mécontentements qui vont commencer donc à naître. Est-ce que tout ce qui a été dit, parce qu'on a vu une succession également de faits, il y a le bataillon de la sécurité présidentielle, vous savez, qui a été dissous, il y a la brigade d'intervention rapide de Soronkone également, qui a été dissous, donc on va d'acte en acte. Est-ce que vraiment tout cela rassure? Sans oublier que le chef des renseignements militaires aussi a été limogé, avait été limogé. Quelqu'un qui est décrit comme un proche du général Sadiba. Est-ce que aujourd'hui, le général, le colonel Mamadi Doumbouya serait dans la logique de se débarrasser de certaines personnes aujourd'hui dont il n'a plus confiance pour la conduite de la transition. Eh bien, on attend de voir. Mais l'essentiel est que vraiment le peuple de Guinée, sincèrement, soit épargné de tout ça, Aboubacar Diallo. Bien, oui, Manu. D'abord, j'ai bien envie de reconnaître que chef d'état-major général des armées, c'est un poste hautement stratégique, très important, et surtout sous une transition, évidemment, même si le chef de l'État reste le commandant suprême des forces armées, ça c'est la première chose. La deuxième chose, l'ensemble des hauts gradés de l'armée, qui qu'ils soient, sont quand même aussi soumis à l'ordre du chef de l'État, même quand il est civil, et à plus forte raison que quand c'est un militaire. Ouais. Donc, d'un point de vue logique, le colonel peut librement opérer les réformes qu'il veut au sein de l'armée. Non, personne ne dit le contraire, Manu. Qu'il veut. Justement, ça c'est déjà sur le plan de la logique. L'autre élément à Boakar, c'est que depuis que cette transition a démarré, on est quand même unanime que l'un des chantiers phares du CNRD, c'est la récupération des domaines spoliés de l'État. Et quelqu'un l'a rappelé, on a même vu le général Saïdiba, à l'époque colonel, devant les portes de Elhaj Sédou Daley Diallo, pour le mettre dehors. Mais aussi chez Sidi Atouré aussi. Voilà, on l'a vu conduire ces opérations-là. Mais quand on prend sur le plan de la légalité, en ce moment, Sadiba Koulibaly qui agissait pour déguerpir les gens, quelle était la légalité qu'il avait pour le faire? Dans quel contexte on pouvait le mettre, en tout cas, en lui donner ce rôle en tant que chef d'état-major général? Il le faisait comme un membre du CNRD, qui est l'organe central de la transition. Tout simplement. Ouais, c'est tout simplement. Ouais. Aujourd'hui. Ouais, une commission. Non. Une commission qui avait été mise en place également. Mais toujours à cet effet. Ouais. Toujours est-il clair que le chef d'état-major général des armées, de manière assez basique, assez simple, n'a rien à faire dans une telle opération. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que moi je vois? C'est plutôt un ordre que le colonel remet dans les choses. Sadiba Koulibaly qui récupère les domaines de l'État alors qu'il n'est que chef d'état-major général des armées, on le met au ministère de l'État. Oh là là, qu'est-ce que tu racontes, non, Manu? S'il vous plaît. Non, mais Manu. C'est ma façon de voir les choses. Mais non, mais franchement, Manu. C'est ma manière de voir les choses, Manu. Avocat. Non, s'il vous plaît. Mais non, mais Manu. C'est ma façon de voir les choses. Souffrez de l'écouter. Allez-y. S'il vous plaît. Bien. Moi, je pense que. Je m'efforce de le faire. Je m'efforce de t'écouter. Le chef d'état-major. Bien, oui. En réalité, Sadiba est plus efficace comme récupérateur des biens spoliés. Donc, j'ai l'impression. Non, mais en réalité, c'est que tu viens nous dire ce matin, c'est que Sadiba, il est plus bon dans le rôle d'exécuteur de sale besogne. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est ce que j'ai. C'est ce que, je n'ai pas dit j'entends ça. Bien ce que vous voulez dire. Non, vous dites bien, vous voulez dire. Mais je n'ai pas encore dit. Il est finalement réduit à ce rôle. Non, juste moi, ce que j'ai envie de dire à Boakar, c'est que. C'est qu'il tombe sur les sens, Koulibaly. Manu. Parce qu'il a perdu la confiance du patron, du chef suprême des armées. Qui n'a plus confiance en lui à ce poste. Extrêmement stratégique. Boakar, tu sais, attendez quand même. Ça crève les yeux, monsieur. Est-ce qu'un ministre n'a pas la confiance du président? Je vais t'aider. Vous dites. Attends, vous m'empêchez de m'en sortir d'abord. Laissez-moi terminer. Non, mais attendez quand même. Est-ce qu'un ministre n'a pas la confiance du président?
Non, un ministre n'a pas la confiance. C'est différent. D'abord, c'est différent, mon cher Manu. La nomination, ça ne crée une polémique, une fausse polémique autour de cela, mon ami. Mais non, moi je dis, moi je vois une autre logique. Confiance réduite. Peut-être différence, confiance différente de la vôtre. Oui, vous pouvez voir ça comme étant une confiance réduite. Mais j'estime que même en vous nommant au poste de ministre au sein du gouvernement, c'est la confiance du président. Et le général Sediba qui récupérait hier les domaines, et ben aujourd'hui on le met dans le cadre qu'il faut. Maintenant, il peut récupérer les domaines. Bien. Personne ne peut demander qu'est-ce que Sadiba fait en récupérant les domaines. Bien. C'est déjà donc son rôle. Faisait, c'est son rôle quand officiel. Le, donc quand il le faisait avant, c'était pas, c'était pas légal. Quel était le cadre légal dans lequel on pouvait mettre un chef d'état-major général des armées, donc, récupérateur de domaines. Donc il agissait en toute illégalité. En tout cas, moi je si tu le dis, si on suit bien ta logique, je me pose la question. Donc vous donnez raison, à ceux qui ont estimé que c'était totalement des opérations illégales. En tout cas, dans la norme, un chef d'état-major général des armées, c'est pas un récupérateur de maison. Ouais, je pense c'est que pas un récupérateur de maison. Voilà, il est ministre de l'habitat. Il se tire des balles il peut récupérer toutes les maisons qu'il veut. Ouais, mais voilà, il s'est complètement achevé ce matin. Allez-y. Il faut nuancer et dire que le chef d'état-major général des armées, ça reste un poste stratégiquement important. Hautement stratégique, ouais. Surtout dans une transition militaire. Donc, vous y amenez que des gens en qui vous avez fortement confiance. Extrêmement confiance. Donc, quitter du poste de chef d'état-major général des armées à celui de ministre récupérateur de biens spoliés, ça reste une confiance. Non, je pense que ça devrait mieux coller, hein. Ministre récupérateur des biens spoliés de l'État. Ouais. Donc ça reste une confiance de moins. Encore que. L'État. Oui, dispolié. Bien. Donc, quoi qu'on dise, ça reste une autre expression de la confiance. Et de manière générale, le président de la République ou le chef d'État nomme en fonction de la confiance qu'il a vis-à-vis des gens. C'est d'abord une question de confiance. Ouais. Quand on parle de pouvoir discrétionnaire, il ne justifie pas. Ouais. Maintenant, et c'est difficile de dire les raisons pour lesquelles, justement, il place tel ici, puisqu'il ne le justifie pas. Ouais. On peut être dans le transcendantal, pour reprendre un peu le... L'avocat, Paul Yomba. Maître Paul Yomba pour expliquer tout ceci. Encore que je rejoins en partie Manu pour dire que ce n'est pas totalement une espèce de disgrâce. Mais pour... c'est une disgrâce. Oui, non. Si mais c'était ainsi à Bouakar... Le monsieur, il est vers la porte, là. À Bouakar, si c'était ainsi... Il est vers la porte, il est poussé à la porte, là. Oui, mais tout comme... Tout poussé comme, à la sortie. Oui, mais tout comme en étant... Vous avez mais vu, voilà, vous verrez bien mais ce qui va se passer. Mais tout comme en étant chef d'état-major général des armées, on l'a recalé, là. On l'a recalé à Bouakar. Bien. On l'a recalé et en étant aussi à ce poste-là, il peut se retrouver au poste chef. Il peut revenir à son poste. C'est tout ben ça, c'est terminé. Non, c'est terminé. Maintenant. Mais non, ça c'est terminé, cabinet. Maintenant, Aboubacar. Bien. Ben non, mais les gars, quand même, s'il vous plaît, franchement, élevez un peu le niveau de débat, s'il vous plaît. Voilà. Je dis ceci. Vous savez, je le dis souvent que le colonel Mamadi est. À quelque chose de qu'il partage avec Alpha Condé, c'est le fait de ne pas avoir ce qu'on peut appeler un peu des promotionnaires dans l'armée. Vous voyez un peu, il y a des gens avec lesquels il a eu des liaisons, et parmi ces gens-là, c'est le général Ibrahim Mansouri Bangoura. Ouais. Donc ça atteste de cette confiance qui a été construite au fil des ans, et on comprend bien qu'il veut l'amener tout près de lui, puisque en étant dans la position de chef d'état-major général des armées, c'est le rapprocher. Ouais. Mais le travail pratique de tous les jours. Ce n'est pas le président de la République qui le fait, même quand il s'appelle chef suprême des armées. Bien. C'est le chef d'état-major général des armées, c'est lui qui travaille au quotidien. Et le ministre de la Défense, c'est juste les questions d'ordre administratif. Mais la gestion de l'armée, c'est le chef d'état-major. La gestion plan pratique. Talibé a précisé quelque chose, c'est que M. Ibrahim Mansouri était déjà chef d'état-major de l'armée de terre. L'armée de terre. Il rejoint un peu un niveau important, mais en restant... Non, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce général, ce tout nouveau général bis, qui a confiance, le colonel. Oui, c'est très clair. Oui, par exemple, il y a la logique. On comprend maintenant pourquoi il a été bombardé général. Bien entendu. Parce qu'il fallait, on attendait à ce que le président le nomme au poste. Bien. Mamadouri, si tu permets, voilà. Non, sur ce sujet, je voulais simplement dire à Aboubacar que... Il faut bien un casseur pour qu'on construise. Ouais. Je veux dire, dans un gouvernement, il faut bien quelqu'un qui casse pour qu'on puisse construire. Ouais. Et puisqu'ils ont envie de rebâtir le pays, ben, il faut quelqu'un qui casse, pourvu que la casse se passe dans les normes. Et puis bon, en philosophie, j'ai quand même appris trois concepts. Ouais. Le sous-entendu, le non-dit et l'implicite. Mmh.
Et donc cela nous ramène à percevoir, à capter, à visualiser, à voir, à comprendre derrière ce qu'on nous montre, derrière ce que l'on voit, bien, par intuition tout simplement. Donc bref, de tout ce qui a été dit et qui s'est passé, et de, sur la base de ce que Saliba allait dire sur le plateau, on voit qu'on l'a enlevé aujourd'hui. On n'a pas besoin que Mamadi lui-même dise que ça n'allait pas. C'est, on n'a pas besoin que lui-même dise que je n'ai plus à 100% confiance en lui. Ouais. On n'a plus besoin que ce soit Saliba lui-même qui le dise. Ouais. Implicitement, cela se perçoit, cela se comprend. Parce que justement, quand on enlève quelqu'un à un poste stratégique, à un poste peut-être honorifique, il y a quelque chose derrière. Ouais, et c'est tout pas. Simplement ce qu'on peut percevoir. Voilà, je pense que... Maintenant, pour le reste, je dirais qu'il n'est pas allé loin. Justement parce que quand on perd confiance en quelqu'un, ouais, on la sanctionne, en une personne, on la sanctionne tout simplement. Ouais. Donc là, on renvoie la personne tout simplement. Tout simplement. Mais ouais, là, il fait du alpha sans alpha, de la permutation éternelle et perpétuelle, parce que depuis là, il ne fait que de la permutation ou de la reconduction. Il n'y a jamais quelqu'un qui est suffisamment sanctionné. Bien. Bref, c'est ce que je pouvais dire sur ce sujet. Merci bien, merci. Je voulais ajouter ceci. Pour Claude. Saliba, c'est aussi le numéro 2 du CNRD. On a vu tous les actes posés au nom du CNRD ces derniers temps. Signé de général Saliba. Ouais. Saliba. Ouais. Est-ce que va-t-il garder ce poste important ? Eh bien, nous serons édifiés la semaine prochaine, puisqu'il a été enlevé du côté de l'état-major. Bien. Eh bien, est-ce qu'il va toujours garder cette position importante au niveau du CNRD, au niveau du CNRD, qui est l'organe central. Eh bien, nous serons vraiment très bien édifiés. Très bien vu de ta part. Oui, pour terminer. Je dis aujourd'hui, vous avez Mamadi Doumbouya qui a, comme ministre de la Défense, un peu ce que certains appellent un peu son père spirituel ou son parrain, général Idi Amin. Et au niveau comme chef d'état-major général des armées, un peu son maître formateur, quand il est rentré en Guinée, vous comprenez ? Donc peut-être qu'il se sent là plus en sécurité. Et l'autre aspect, est-ce que Saliba, il paye le prix de deux événements non des moindres ? C'est-à-dire, parce que lui-même il l'a dit, très sur le plateau de la RTZ, le vol d'armes du côté du centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix au niveau de Samoroya. Ouais. Il l'a dit, il a reconnu lui-même qu'il y a eu vol d'armes. Donc il vient lui-même. Et, ensuite, le patron des renseignements militaires, dont certains ont... des renseignements militaires, qui a été limogé pour faute lourde et qui doit être traduit devant le tribunal militaire. Ouais. Tout cela, maintenant, ajouté à des éléments qui nous échappent forcément. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, le général Saliba, il n'est pas complètement sorti. Et peut-être qu'il a le temps encore De rebondir. De rebondir ou de refaire la part de confiance qui est abîmé, en tout cas ces derniers temps, certains le laissent entendre. Bien, Kabineva, je suis désolé parce que la radio c'est l'heure. Nous allons à la pause pour nos obligations commerciales, un nouveau point info quand il sera 9h ce film. On revient pour nous plonger dans cette journée de manifestation, donc la première du genre d'une série à l'appel des forces vives de Guinée. On revient dans quelques minutes. Avec Milkana, vivez des moments de bonheur et de douceur avec vos enfants. Offrez-leur le meilleur, les délicieux desserts Milkana. Découvrez leur nouvelle recette extra crémeuse, source de protéines, avec de vrais fruits mixés et du bon lait de vache. Comme avant, ils vous accompagnent toute la journée, même hors du frigo. Milkana, la force du lait, la force de l'amour. Excusez-moi. Le gars, c'est pas grave. Désolé, c'était les intérêts. Non, t'inquiète. Mais attends, vous avez tous quoi à sourire aujourd'hui là ? Mais tu sais pas ? Non ? C'est la folie chez Mouna, regarde. L'internet n'est pas un luxe, Mouna vous l'avait dit. Offrez-vous une connexion illimitée jusqu'à 20 mégas avec la fibre optique au prix de 690 000 francs guinéens. Si, je répète, au vrai prix de 690 000 francs guinéens. Ce n'est pas beau ça ? Et ce n'est pas tout. Mouna et Canal+ associent l'internet à votre abonnement télé. Recevez vos programmes TV via MyCanal tout en profitant de l'illimité pour une seule facture. C'est seulement Mouna qui fait ça. Pour vous abonner, appelez le 95 ou écrire à vente@mounagroup.com. Mouna Group Technologies, nous faisons mieux. Sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre.
Bienvenue à la boutique de literie Nordine et Frères, spécialisée dans la literie, les abayas, les hijabs pour femmes et les djilbabs pour hommes et enfants. À la literie Nordine et Frères, vous trouvez sur place des draps doux, moelleux et de qualité pour un bon sommeil, des rideaux avec définition parfaite, disponibles en deux et trois pièces, des couvre-matelas, des pyjamas, des caftanes pour hommes, femmes et pour enfants à moindre coût. La boutique Nordine et Frères dispose de tout ce dont vous avez besoin pour créer votre oasis de sommeil parfait, un habillement simple, élégant et responsable en toutes circonstances. Pour vos tenues de fête et de cérémonie, vos tapis de prière, vos moquettes maison au bureau, Nourdine et Frères est là pour vous aider pour trouver le meilleur choix qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget. De plus, nous nous engageons à vous offrir un excellent service client et à vous garantir une satisfaction totale. Nous sommes là pour vous aider à trouver la literie de vos rêves et de vous assurer des tenues qui conviennent à tous. Adresse Madina, route Niger, en face du centre Madame Barry. Téléphone 621 94 56 66 et à Coloma Marché 628 54 64 46. Nourdine et Frères, le bon prix pour dormir et s'habiller. L'eau est une source précieuse, vitale pour notre santé et notre économie. Pourtant, des millions de personnes dans notre pays n'ont pas encore accès à l'eau potable et à l'assainissement de base. Doter la population guinéenne en eau potable et un système d'assainissement fiable est une priorité, une question de souveraineté nationale. Mobilisons-nous pour léguer un avenir meilleur à la population guinéenne. Rendez-vous les 10, 11 et 12 mai 2023 à l'hôtel Primus Kaloum autour du forum qui va contribuer à construire un avenir durable pour tous. Wello wello aduna tingi tingi kidon yidi salam lemone salam pom no kasahara ko salam mango ankali salam funye non hey fi hotu hina salam jillado emi joni non ko hondu burani yo hey ko no min kala ko woni ji salam ko no wala la salam Julie Gefi, kala ko yidu donko salam souriez à la vie. Le vrai goût de la nature. Alors vous êtes plutôt salam orange, salam pomme, non salam mangue peut-être, et salam ananas. Pourquoi pas salam multifruits? Mais vous aussi, finalement vous préférez quoi? Moyen, hey, j'aime tout, tous les jus salam, j'adore. Salam, des jus de fruits naturels pour tous les goûts. Salam, souriez à la vie. Girite girere la via. Ora ile, salam le mun dale du mayenge. Salam pomdo. Ile fana. Salam makorontalo. Meke ni salam ke bibitali do. Mune do tanya basa no taro. Ile kone. Kone makona boto pa. Iye mo ko boto. Abe, ju salam be du manye. Salam, girite gingena ma. Dias me do la de ni menna. Salam, souriez à la vie. We'll be right back.
Dans le monde, surf de l'actu. Bonjour à toutes et à tous. Journée de manifestation de colère dans le Grand Conakry déjà la veille. Mardi nuit, un jeune a été poignardé par des inconnus au niveau de Sonfoniarai, commune de Ratoma. Ibrahima Sour Diallo, c'est son nom. Ensuite, des inconnus ont emporté les deux ordinateurs et le téléphone portable du jeune blessé qui suit des soins actuellement dans une clinique de la place. Le collectif des candidats au concours d'intégration à la fonction publique conservateur de la nature au compte du ministère de l'Environnement et du développement durable en 2020 a tenu un sitting mardi devant la primature. Les membres de ce collectif réclament la publication des résultats de concours d'intégration à la fonction publique qu'ils ont passé depuis septembre 2020. Ces candidats qui se disent victimes d'injustice de la part de l'État sollicitent l'implication du président de la transition afin de trouver une solution définitive à ce problème. Sur le continent au Soudan, les négociations sont toujours en cours. Des délégations de l'armée commandées par le général Al-Burhan et des militaires du général Emerdi sont à Jeddah en Arabie Saoudite sous l'égide de Riyad et des États-Unis. Les deux camps qui s'affrontent depuis le 15 avril dernier sont en pourparlers sur le terrain. Les violences continuent. Pour finir, le président de la Commission européenne est arrivé hier mardi à Kiev pour marquer la journée de l'Europe et afficher son soutien à l'Ukraine face à l'offensive russe. Le jour où Moscou a commémoré la victoire sur l'Allemagne nazie. Dans les semaines à venir, la Commission européenne doit rendre un avis provisoire sur les progrès de Kiev en vue de l'ouverture des négociations d'adhésion avant un rapport officiel en octobre prochain. C'était tout pour ce surf de l'actu. Restez avec nous dans un court instant. La suite de Mirador dans ce studio avec le juste Aboubacar Diallo. FIM FM. Avec Milkana, vivez des moments de bonheur et de douceur avec vos enfants. Offrez-leur le meilleur, les délicieux desserts Milkana. Découvrez leur nouvelle recette extra crémeuse, source de protéines, avec de vrais fruits mixés et du bon lait de vache. Comme avant, ils vous accompagnent toute la journée, même hors du frigo. Milkana, la force du lait, la force de l'amour. Excusez-moi. Dégage, c'est pas grave. Désolé, c'était les imprévus. Non, t'inquiète. Mais attends, vous avez tous quoi à sourire aujourd'hui là? Mais tu sais pas? Non. C'est la folie chez Mouna. Regarde. L'internet n'est pas un luxe. Mouna vous l'avait dit. Offrez-vous une connexion illimitée jusqu'à 20 mégas avec la fibre optique au prix de 690 000 francs guinéens. Si, si, je répète, au vrai prix de 690 000 francs guinéens. Ce n'est pas beau ça? Et ce n'est pas tout. Mouna et Canal+ associent l'internet à votre abonnement télé. Recevez vos programmes TV via MyCanal tout en profitant de l'illimité pour une seule facture. C'est seulement Mouna qui fait ça. Pour vous abonner, appelez le 95 ou écrire à vente@mounagroup.com. Mouna Group Technologie, nous faisons mieux. Sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre. Bienvenue à la boutique de literie Nordine et Frères, spécialisée dans la literie, les abayas, les hijabs pour femmes et les djinns. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Encore une fois, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. Deuxième partie de Mirador, nous sommes ensemble encore pour deux heures. L'actu dominée en Guinée par cette première journée de manifestation à l'appel des forces vives de Guinée. Transition guinéenne, les forces vives de Guinée amenées par les anciens premiers ministres Sidya Touré et l'âge Sélou Dalein Diallo en intelligence avec l'ancien président de la République, professeur Alpha Condé, appellent les Guinéens dans la rue ce mercredi, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays, première du genre, comme je l'indiquais tantôt, d'une série de marches pacifiques et citoyennes le long du mois de mai en cours au rythme de deux par semaine. Conséquence directe de l'échec de la médiation des chefs religieux du pays, ces manifestations pour autant non autorisées visent, selon les organisateurs, nous citons, à demander au CNRD et au gouvernement de transition la libération des otages et le retour rapide à l'ordre constitutionnel conformément aux engagements pris le 5 septembre 2021 par le colonel Mamadi Doumbia dans un message dit d'orientation stratégique diffusé hier. Le comité d'organisation de ces manifestations a lancé un appel de sursaut patriotique à toutes les compétences
composante politique et socio-professionnelle du pays a fortement se mobilisé ce jour pour, dit-il, imprimer un succès retentissant à ces manifestations. On en parle dans un instant avec nos invités par téléphone, Sekou Kounouno que vous allez entendre, Mohamed Tall également de l'UFR et donc du FNDC politique et d'autres acteurs donc de ce regroupement d'acteurs sociopolitiques que nous allons appeler dans cette émission. Les religieux aussi qui se sont fait entendre hier à travers un communiqué, à défaut du rapport qu'ils avaient annoncé il y a 2 semaines, les chefs religieux de Guinée, visiblement à la peine dans leur médiation, se contentent d'un communiqué dévoilé hier soir au JT de la RTG, soit la veille du début d'une série de manifestations de rue organisées par les forces vives de Guinée. Communiqué qui persiste à faire état de 3 préoccupations et non de 7 préalables posés au gouvernement par les forces vives de Guinée. Selon les leaders religieux, le Premier ministre, nous citons, a répondu favorablement à la demande insistante des membres des forces vives de Guinée sur la levée du contrôle judiciaire à l'endroit des membres des forces vives de Guinée, la mise à disposition des religieux de Fonique Mengue et compagnie. Peut-on lire dans le texte signé du premier imam de la grande mosquée Faisal et de l'archevêque de Conakry. Enfin, les chefs religieux encouragent d'une part le gouvernement à poursuivre sa politique de main tendue et d'autre part exhortent les forces vives de Guinée à rejoindre le cadre des dialogues inclusifs. Ce communiqué a-t-il été suffisamment complet sous les faits et a marqué la médiation des prélats du pays? C'est la question que nous allons aborder dans un instant dans cette émission. Le temps pour nous de nous intéresser à vos premières réactions collectées par nos équipes. On y va avec Moussa Razaghi Mayadine. Bonjour Mirador, bonjour à tous les chroniqueurs, bonjour à mon Mali Yemberin, Sigon Mayadine. C'est bien fait pour Sadiba Koulibaly. Je me rappelle le jour où ils sont venus démolir la maison de celui d'Alain Diallo avec un arsenal d'armes. Voilà l'air est tombé. Alseni Oumou Diallo qui s'exprime sur Facebook. Bonjour le faiseur de roi et à l'équipe du jour, à mes parents, bonjour à mes parents de Gongoré dans Mamou, à Boakar. Le lundi, il y a eu un décret qui a fait effet dès notre le mardi et qui a pour effet les rumeurs dans Conakry entre Sadiba et le colonel. Tout ça pour éviter les effets d'une sortie de Montfassori. Titi, rappelons-le que Pharaon avait tué tous les enfants israéliens parce qu'on l'avait dit, on l'avait donc dit que son successeur serait un Israélien. Mais Dieu a fait que Moïse soit élevé dans sa propre maison. Donc nul ne peut rien contre la volonté divine. Arseni de UDRG, fidèle de Baouri depuis Kansoya, kilomètre 36, Paikoun Kinya Diallo, fidèle au poste. Bonjour les chroniqueurs de Fim FM, singulièrement au Corbeau Aboubakar Diallo, merci. Et un bonjour à mes parents de Kinya, Misira Ndita Kulea, Malea Changelburi, dans la préfecture de Luma, Paikoun Kinya Diallo depuis Bambeto du parti Alliance pour le Renouveau et le Progrès ARP. Il ne peut pas y avoir un développement dans un pays où les crises sont de plus en plus récurrentes. Donc nous à l'ARP, nous demandons humblement aux belligérants de conjuguer la paix, l'entente et l'union entre les fils et filles de ce pays. Abdoulaye Kaba, qui y va de son commentaire également, Aboubakar, tous les signaux étaient au rouge pour Sadiba et il n'a jamais écouté, car voilà aujourd'hui, il est éloigné de la grande muette et il n'a que ses yeux pour pleurer. La prochaine étape, c'est de l'arrêter. J'attends la suite. Kaba Premier, qui est également à l'écoute. Bonjour aux vigiles de la démocratie. Bonjour à Montfassori depuis sa position géographique. Le peuple de Guinée est convaincu qu'aucun sacrifice n'est de trop lorsqu'on touche aux fondamentaux de notre nation. C'est pourquoi aucune intimidation, encore moins les menaces, n'auront raison de notre détermination de faire valoir nos droits de citoyens libres à marcher, exprimer notre désarroi vis-à-vis de la façon dont les putschistes ont pris en otage notre pays. Pas de recul, Sarakata Lafeu. C'est Kaba Premier donc qui s'exprime. Cet autre, Baldé le Magnanime. Bonjour à Boakar et à toute l'équipe, toute votre équipe. Je pense que ce pays est plongé dans un cycle sempiternel d'obscurantisme dont il est très difficile de récupérer. Et quant à l'axe, les forces vives ont ressuscité l'enfer qui sommeille en lui. La situation est très grave selon Baldé le Magnanime. Aloussène Toulel qui est à l'écoute également. Bonjour les Miradors. Bonjour à Sylvain, journaliste Aboubakar Diallo. Merci. Bonjour particulier à ma télémêlée natale. Manifester pour manifester sans aucun motif. Les politiques guinéens veulent juste saboter la transition des éternels insatisfaits. Laissons les autorités actuelles nous mener à bon port. Aloussène Toulel, fidèle auditeur depuis
Kamsar, Lamabank Diallo, à son tour donc de prendre la parole. Bonjour chers chers journalistes, c'est Lamabank. Au-delà des proches du pouvoir, les hommes courts sont victimes des propos d'un simple féticheur. En tout cas, les propos et les décrets coïncident bien. Si on ne prenait pas au sérieux les propos du féticheur, on ne serait pas allé jusqu'à arrêter des personnes, mais la panique faciliterait bien le coup. Lamabank qui s'exprime. Lamine Philo Kalé plutôt, autant pour moi. Bonjour les Miradors et bonjour au grand frère Ouri, le constant de la maison Orange Film. Si le monsieur a accepté de se laisser faire, il n'aura personne pour l'aider à récolter son champ de patates dans la catégorie des civils. C'est franchement pathétique de s'en éloigner, et de s'éloigner des prises de décision et d'être le provocateur de la cacophonie auprès de la population. La crédibilité de l'homme est en danger car il perd la confiance de Fakarissa. En toute sincérité, Lamine Philo Kaba, fidèle auditeur. Ibrahim Diego, l'avant-dernier sur la sélection proposée par Ibrahim Sylla. Bonjour Mirador, notre pays a besoin beaucoup plus d'action que de discours vides de sens et des poursuites judiciaires sans suite favorable. La transition doit forcément réussir dans l'intérêt supérieur de la nation. Mamadou Moussa Diallo, le dernier donc sur cette première sélection de Ibrahim Sylla. Addict de films Mirador, bonjour Aboukar, le guéloir délicieux de l'élixir de la presse guinéenne et notamment l'épée de Damoclès, matador du paysage médiatique guinéen. Il est important de faire remarquer que l'une des particularités encourageantes du combat actuel que mène le FNDC est le fait que malgré toute la lâcheté et la brutalité de l'État assassin, cela n'a jamais démotivé la résistance citoyenne. En plus, malgré la misère et le chômage massif entretenu délibérément par le système pour créer une dépendance chez les jeunes afin d'en faire une proie à la manipulation politico-ethnique, la conviction et la détermination des valeureux guinéens n'ont pas été entamées. L'écoute est favorable ici depuis le kilomètre 36. Allez, on bascule sur l'autre plateforme pour retrouver d'autres auditeurs. Samuka Berete, c'est pas de lui. C'était notre auditeur cette fois-ci qui a requis l'anonymat. Qui disent quoi exactement? Sadiba a perdu depuis sa sortie inopportune sur la RTG, vu que le vrai moment de parler était déjà passé. On appelle cela la justification inutile du leader. C'est indiscutable qu'il est tombé en disgrâce, en tout cas pour le moment. Sinon, il serait venu au ministère de l'Habitat avec le titre de ministre d'État aussi. Est-il désormais sur le seuil de la porte pour une probable sortie? Où va-t-il rebondir? Mais une chose reste claire, il, en tant que militaire, ne peut pas avoir plus d'honneur et de bonheur que le poste qu'il vient de perdre hier nuit. Bon, chacun vit son destin. Bonne journée les gars. Voilà un auditeur qui nous envoie ce message. Encore pour une minute pour prendre le maximum. On y va avec cet autre, c'est Ben Famara, jeune dynamique qui s'exprime. Bonjour l'empereur des journalistes Aboubakar et à toute l'équipe de Mirador. Aboubakar, dites à mon commandant de la vérité et défenseur des valeurs humaines, ministre Alphonse Charouette, que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Que Dieu protège Charouette et qu'il le garde le plus longtemps que possible. Signé Aboubakar Ben Famara, qui nous envoie ce message. Abdou Karim Mouloba, qui s'exprime. Il faut souligner que si c'est la libération de ces activistes qui va nous éviter ces manifestations inutiles et ramener la paix dans le pays, alors il faut les libérer, car généralement ce sont les enfants des couches les plus vulnérables qui payent toujours le pot cassé. Vive la paix. Abdou Karim Mouloba qui nous envoie ce message. L'avant-dernier, bien entendu, c'est Ali Moussank. Bonjour le démocrate, monsieur Aboubakar, et à toute l'équipe de Mirador. Bonjour à mes parents de Sankarila. Le colonel Doumbouya nous a promis terre et ciel. Ils ne vont pas répéter les erreurs du passé, mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Car ils sont en train de faire pire qu'Alpha Condé. Bref, les opposants exilés, les activistes de la société civile arrêtés, les maisons kidnappées, etc. C'est vraiment grave. Où allons-nous? Se pose la question Ali Moussank de Sikora UFDG depuis l'Axe. Et le tout dernier, c'est Falaï Sekeka, le porte-flingue de Charouette. Bonjour Mirador.
Quand je vous disais autrefois qu'il ne faut pas se fier à l'information de certains journalistes en Guinée, oh là là, voici les éléments. Je suis vraiment choqué de voir, oh là là, franchement, on sait bien ce qui s'est passé dans les coulisses. Falaise Sekeka, voilà, pour aplanir les divergences. Sinon, ce qu'a dit Manu était totalement vrai sur toute la ligne. La suite, Babé. Vine FM. C'est Barbant, les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Bien, Mamadou Ouria, donc avant de continuer, vous avez quelques. Vous voulez rajouter quelques précisions très rapidement? Non, en fait, sur le sujet Saliba, j'ai voulu juste dire à Boubacar, me pose la question fondamentale et qui est, si vous voulez, qui est, si vous voulez, conventionnellement admis en matière de coup d'État et des pouvoirs militaires, c'est que on a toujours dit que ça ne doit pas durer. On a toujours écouté, vous avez la CEDEAO, l'ONU et les partenaires qui disent que ça ne doit pas durer. Mais pourquoi, Boubacar? Parce qu'effectivement, nous sommes dans une sorte d'illustration de ces situations-là. Parce qu'on dit que ça ne doit pas durer au regard du fait que quand les gens sont installés, certains nourrissent des petits appétits, certains nourrissent des ambitions. Il y a des suspicions entre les uns et les autres. Et certaines se positionnent. Et donc, oui, moi, je peux devenir celui-ci ou moi, je peux occuper telle position. Et donc, l'histoire est là pour Aboubacar nous édifier. Il y a plusieurs cas qui se sont passés. Et je pense que ce n'est pas fortuitement que les gens, quand ça arrive, disent ça doit être tout simplement court. Ouais. Et vous avez écouté, le plus court possible. Le plus court possible. Vous avez écouté un général de retraite. Je crois qu'il y a la CEDEAO qui a appelé ses confrères en disant les militaires, c'est irruption, action et... Retrait en quelque chose comme ça. Bien sûr. C'est des gens. Bien. Voilà, et disparaître. C'est par expérience que les gens le disent. Ouais. Parce que dans l'histoire d'Aboubacar, vous avez des exemples qui bien. Ne finissent pas. Ouais. Vous avez Thomas Sankara Blaise. Et Blaise Compaoré. Vous avez Lansana Conté et Diarra Traoré. Ouais. Sekouba Konaté et Dadis Camara. Etc. Les deux au Soudan du Nord actuel qui ont fait un coup aux civils. Vous avez le Soudan du Sud, Aboubacar, et vous avez tant et tant d'exemples. Quand bien les gens disent que ça ne doit pas durer, c'est par expérience. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas vos têtes, mais c'est pour éviter ces suspicions, c'est pour éviter ces situations d'étincelles. On reste dans l'armée avec vous, Mamadou Ouri. Oui, c'est l'armée, puisque les deux qui viennent d'être bombardés ministres d'État, ils sont également d'anciens militaires, donc à la retraite, d'anciens généraux à la retraite. Il s'agit de Idi Amin et Bachir, donc deux anciens généraux à la retraite qui sont respectivement ministres de la Défense et ministres de la Sécurité, bombardés désormais, ministres d'État. On apprend que, voilà, sur le cas Saliba, que Idi Amin avait même mis sur la table sa démission. Voilà, c'était très sérieux. C'est pour cela que je vous dis que ces situations pareilles arrivent toujours quand ça veut durer, arrivent toujours quand il y a des appétits et tout. Bien. Ce que vous dites est vrai et je le confirme. Ouais. Effectivement, la saga des décrets continue au palais Mohamed V. Ouais. Les anciens généraux, notamment le ministre Aboubacar Sidki Camara, Idi Amin, qui était jusque-là ministre de la Défense nationale, qui était là simplement ministre, a été donc élevé hier au rang de ministre d'État. Ouais. Et Bachir Diallo également élevé au rang de ministre de la Sécu et de la Protection ministre civile. D'État. Ministre d'État. De la, donc, sécurité, de la sécurité et de la protection civile. Ouais. Et, ça traduit quoi exactement? J'ai essayé de poser des questions. Ouais. Est-ce que depuis le gouvernement Béavogui jusqu'au gouvernement Goumou, c'est la première fois qu'on élève des ministres au rang de ministre d'État? La réponse est effectivement oui. Ouais. C'est la première fois qu'on élève des ministres du gouvernement au rang de ministre d'État. Ouais. Donc c'est les deux premiers qui deviennent à ce stade ministre d'État. Ouais. Autre question. Ça procède de quoi exactement, Mamadou Ouri? Avec quel besoin ou quel est l'agenda qui a commandé ces décrets? Ces décrets qui bombardent ces deux ministres d'État. D'abord, faut-il savoir c'est quoi la portée politique du statut d'un ministre d'État dans un gouvernement. Très bien. Il est clair, et ça c'est de façon générale,
que le titre de ministre d'État permet de marquer la prééminence de celui qui porte le ministre au sein du gouvernement. Donc le ministre d'État est placé protocolairement après le premier ministre et avant tous les autres ministres. Bien. Ça c'est clair. Et un ministre d'État peut, de façon générale, organiser des réunions interministérielles, et ce qui est aussi une prérogative normalement réservée au premier ministre. Et le titre de ministre d'État peut être attribué pour signifier que l'action de son ministre est considérée comme une priorité gouvernementale. Ouais. Il peut y avoir donc plusieurs ministres d'État au sein d'un gouvernement. Et donc, comme on l'a vu, il y en a déjà deux dans ce gouvernement. Ouais. Au temps d'Alpha Condé, il y en avait beaucoup. Certains même faisaient la cour et la course au statut de ministre d'État. Beaucoup en étaient très jaloux. Ouais. Et donc, c'est ça un peu. Donc, à ce stade aujourd'hui, je l'ai dit, depuis le gouvernement Béa au gouvernement Goumou, il n'y avait pas eu de ministre d'État. Et la liste qu'on nous présentait, c'est qu'après le Premier ministre, venait directement le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ouais. Donc, jusqu'à ce décret d'hier, c'est que du point de vue protocolaire, c'est Charles Wright qui venait directement après le Premier ministre. Ouais. Si on est d'accord sur le principe que les ministres d'État, par prééminence, viennent directement après le Premier ministre, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'ordonnancement, dans l'architecture, ouais, c'est dans l'ordre protocolaire au sein du gouvernement, c'est que ces deux-là montent au-dessus de Charles Wright. Tout à fait. C'est ça la première leçon que je tire de la, oui, de la chose. Justement, puisqu'on parle de Charles Wright, qui était jusque-là directement après le Premier ministre, la montée des... Lui-même, il a dit, je crois, lors de sa tournée en Haute-Guinée, oui, qu'il vient juste après, oui, le Premier ministre. Protocolairement, oui, bien sûr. Mais maintenant, parce qu'il s'en vantait. La montée de c'est quelque chose dont il s'est vanté. La montée de Idi Amin et Bachir, est-ce que ça voudrait aussi sous-entendre, ouais, une tombée en disgrâce, non, de Charles Wright? Mais bien sûr. Charles Wright, dont on parlait hier. C'est la deuxième évidence. La première évidence, c'est que protocolairement, il n'est plus directement après le Premier ministre, ouais, même si on ne le dit pas dans le décret. Et la deuxième évidence, c'est que aussi, ça traduit justement une sorte de disgrâce, point de vue voilé, confiance, hein, du président de la République. Bien. Est-ce que ça veut dire aussi, parce que Aboubakar, il est dit que cela signifie aussi que l'action de ce ministre-là, qui est élevé au rang de ministre d'État, est considérée comme une priorité gouvernementale. Donc, est-ce que Charles et la justice ne sont plus une priorité gouvernementale? C'est l'autre question qu'on se pose là. Ah, ou peut-être, là, tout de suite, peut-être, là, tout de suite. Ou peut-être, voilà, on peut poser la question dans le sens inverse. Est-ce que la justice est-ce n'est que, plus une priorité? Est-ce que, voilà, est-ce que c'est une manière de saluer et de récompenser l'action de ces deux ministres au sein du gouvernement? Non, pas saluer, pas saluer, mais peut-être dans ces temps de modélisation, Montfassori et autres, bien, de peut-être Montfassorisation, de dire qu'il prend au sérieux tout ce qui est sécurité, parce que là, bien, c'est le ministre, c'est le ministre de la sécurité et le ministre de la qui défense qui est censé recadrer les manifestations, le ministre de la défense qui gère globalement l'armée, ouais, qui sont élevés au rang de ministre d'État, peut-être pour dire qu'il prend ça désormais très au sérieux. Bien. Une fois encore, j'ai dit, est-ce que la justice n'est plus la boussole du moment où lui, il n'a plus le grade de ministre d'État? Il ne l'a jamais eu d'ailleurs. Bien. Non, en fait, Aboubakar, quand vous dites est-ce que les deux méritaient d'être élevés à ce titre? Non, tous les deux. Non, le ministre de la Sécurité, moi j'ai beaucoup, moi j'ai un avis contraire. Parce que j'ai des réserves au regard un peu de la situation délétère, de l'insécurité aujourd'hui qui prévaut sur le terrain, la difficulté pour l'État d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Vous savez combien de fois aujourd'hui les violences se sont étendues à Conakry, notamment sur l'axe Bambetoukouza Amdalaï. Combien de fois de nombreux citoyens se font dépouiller à Conakry. Les crimes continuent. Je pense aujourd'hui que bien le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, sincèrement, n'est pas à la hauteur, en tout cas, de l'attente qui a été placée en lui par le chef de l'État, sur mon point de vue. Ah, mais non, mais vous ne pouvez plus dire cela. Non. Non, mais puisque c'est celui qui l'a nommé à ce poste-là. Mais au regard. Attendez, quand même. Mais Aboubakar, au regard des éléments si on veut que je viens être, de citer, si il y a des problèmes d'insécurité. Si on veut bien être objectif, si on veut bien être. Non, oui, mais je sais, je vous comprends bien, j'entends bien ce que vous dites, Bassekou. Mais si on veut bien être objectif, par rapport à la source à l'autorité de nomination, elle vient d'exprimer de manière très claire ou réitérer toute sa confiance à la personne de Bachir. Mais c'est très clair. Mais cette motivation. Parce qu'une personne à qui vous n'avez pas confiance, vous ne l'élevez pas. Aboubakar, mais vous l'élevez pas au rang de ministre d'État. Mais cette motivation est ailleurs. Mais si c'est en termes. Vous dites. Cette motivation. C'est pas ce résultat. Cette motivation est ailleurs. Mais si c'est en termes de résultat. Mais non. Le résultat, c'est l'autre.
On ne sait pas quel est le critère qui a prévalu aux yeux du colonel. Mais les choses plutôt sous un autre angle. Moi, j'ai peut-être l'impression que, comme Louri a sorti un point assez important, bien. L'élévation d'un ministère à ministère d'État traduit l'importance et la priorité. Il n'y a pas le ministère d'État, mais c'est le ministre d'État. Mais l'élévation d'un ministre à un rang de ministre d'État traduit l'importance et la priorité qu'on accorde à l'action qu'il mène. Très bien. Ça veut dire donc que, en les élevant à ce grade, peut-être que le colonel comprend qu'il faut en faire une priorité la sécurité, il faut en faire une priorité la défense. Ouais. Et c'est parce pourquoi qu'il y a trop de menaces. Il va falloir apporter parce qu'il y a trop beaucoup de menaces. Plus d'attention. Des menaces multiformes. Justement, moi c'est comme ça que je vois les choses. Très bien dit, oui. En fait, sur la défense, je suis entièrement d'accord. Mais tout comme sur la sécurité. Oui, mais justement... Mais vous ne pouvez pas être, vous ne pouvez pas être plus réaliste que le roi, Basego. Oui, mais c'est la personne justement qui gère ce département là aujourd'hui. J'entends bien ce que vous dites. Regarde ces résultats qui posent problème. Je vous le dis, ces problèmes d'insécurité au quotidien que nous vivons, sincèrement. Bien. Oui, cabinet. Il y a trois choses. C'est que quand on fait le nombre des ministres, c'est d'abord la prééminence, la responsabilité, la priorité qu'on en donne. Ouais. On ne sait pas quand on élève un ministre au rang de ministre d'État qu'on est satisfait, qu'on veut lui donner un blanc-seing pour lui dire c'est très bon ce que tu fais dans ton département. C'est pas forcément ça. On veut dire que j'en érige en priorité. Il faut continuer à davantage travailler. Donc la personne est renforcée. Donc c'est pas autant dire que Charles Wright est décalé. C'est-à-dire que dans le rang protocolaire, les ministres d'État viendront. Mais ça ne veut pas non plus dire que la justice n'est plus... La justice n'est plus la priorité. Non, pas du tout. La justice n'est plus... On n'est pas d'accord du tout. Non, mais laissez-moi parler. C'est clair que les deux deviennent une priorité. Ça ne veut pas dire aussi que la justice n'est plus la priorité. Je vous ai parlé d'implicite à part. Non. Ça ne veut pas dire que la justice n'est plus... Mais laissez-moi finir. On va le laisser finir. Non, je ne laisse pas finir. Sur ce point-là, je ne laisse pas finir. On va s'écouter, les gars, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Il faut regarder au-delà de ce qu'on te montre. Je l'ai dit tantôt là. Ça, c'est dit. Tu penses que je ne peux pas regarder au-delà. Ça veut dire que le monsieur est décalé là. Quand vous prenez le programme protocolaire, ça n'est pas Charles qui va présider le conseil interministériel. C'est soit Idi Amin, soit Bachir. Alors, c'est clair. On est bien d'accord. Le numéro 2 et le numéro 3 du gouvernement désormais, c'est le ministre d'État Idi Amin, et ça ne veut pas dire pour autant qu'on s'en fout de la justice. Mais ça veut dire que Charles passe de numéro 2 à numéro 4. Est-ce que je peux finir là? Ça veut dire que les actions numéro 1. Allez, Mirador, continue. Numéro 2, c'est la sécurité. La plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Dans un instant, on va se plonger carrément et totalement dans cette journée de manifestation à l'appel des forces vives de Guinée. À venir, les prises de parole de Sékou Koundouno, membre des forces vives, Joachim Baba Milimono, de l'ANAD et des forces vives de Guinée, Sékou Swapé du RPG Arc-en-Ciel et des forces vives de Guinée, tout comme Mohamed Tal du FNDC politique et de l'ANAD. Donc tous les quatre qui vont s'exprimer successivement dans cette émission, sans oublier aussi nos reporters déployés aux quatre coins de Conakry, Sori Kandia Bangoura, notre reporter tout-terrain qui est sur l'axe Amdalaï Bambeto Koza, que nous allons appeler d'un moment à l'autre pour prendre le pouls de la situation. Et nous irons également sur l'autoroute
Fidel Castro pour joindre Amadou Ribari à Aoubé et du côté de la corniche Lambani Dixine, Mbani Sidibé donc est posté de ce côté. Donc mobilisation générale au cœur de cette première journée d'une série de marches pacifiques et citoyennes à l'appel à l'initiative des forces vives de Guinée. Donc d'ici là, quelques réactions, le temps pour Ibrahim Babin Diallo de joindre Sekou Koundouno, donc qui va être le premier à intervenir. Ce message d'un auditeur qui a requis l'anonymat, prière de signaler à Manu que le général Sadiba agissait en toute légalité quand il récupérait les domaines spoliés de l'État, car il était le président d'une commission nationale mise en place à cet effet. Voilà, c'est donc M. Nabé du parti ARP qui nous envoie ce message. Cet autre, c'est Kondé Adama Sanaba depuis Moscou. Bonjour à Bakar et bonjour à tous les chroniqueurs du jour. Je vous informe que la police russe a arrêté beaucoup de nos camarades sous l'ordre de l'ambassadeur Abba et il demande de l'argent pour leur libération. Kondé Adama Sanaba depuis Moscou qui nous envoie ce message. C'est Edi Amine qui est derrière tout ça. Comprenez, mon cher oncle. Donc, Mamadi ne connaît absolument rien. C'est Idi Amin, voilà. Une source qui nous envoie ce message. Allez, cet autre. Bonjour, Titi. S'il vous plaît, mettez les auditeurs au même pied d'égalité. Voilà, quand vous lisez les messages des uns et des autres, lisez. Voilà, je pense que c'est passé. C'est de la part de Bella, sénateur, Koza, FC, auditeur frustré. Eh bien, ça existe désormais. Talib Ebari, FC, auditeur frustré. Allez, Ali Macron, bonjour à Boakar et à toute l'équipe de Mirador. Question simple, qu'est-ce qui a donc horripilé Jupiter à faire le grand ménage autour de lui? La grande muette n'est pas aussi muette qu'elle en a l'air pendant ces temps qui courent, et surtout dans un contexte de suspicion et de crise politique extrêmement tendue. Jupiter, un bon stratège, ne veut pas du tout se faire surprendre par des hommes à la loyauté questionnable. Il est d'une expérience éternelle que les transitions militaires ont toujours connu des moments de doute et d'incertitude, des coups foireux et bien d'autres surprises tordues venant d'hommes prêts à tout pour annihiler les efforts consentis par le président Mamadi Doumbouya. Un dernier, donc, avant de partir au stand avec notre ami Kaou Diaka, excellent photographe. Bonjour à Boakar et bonjour à toute l'équipe de Mirador Barracuda. Les Guinéens ont la chance d'avoir une telle radio privée en Guinée et coach comme Titi. Merci cher ami. Avec les journalistes comme les joueurs du Real Madrid, Fim FM devient le Real des médias. Un conseil pour le colonel, on ne peut pas attaquer tout le monde à tout moment. Notre ami plutôt, Kaou Diaka, qui est à l'écoute. En direct à Soufim FM et d'Amirador, Sekou Koundouno du FNDC et des Forces vives de Guinée. Bonjour Koundouno, bienvenue. Oui, bonjour à Bakara, bonjour à toute l'équipe du Mirador et bonjour à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Bien, merci de répondre à notre invitation et de participer à cette émission. Talib Ebare. Sekou Koundouno, vous appelez à manifester à partir de ce 10 mai. Mais déjà hier à Conakry, il y a eu des manifestations. Quel est le bilan, en tout cas, que les forces vives ont de ces manifestations d'hier? Écoutez, Talibi, comme vous le savez, le peuple de Guinée est au pied du mur. Un mur à franchir ou un mur à monter. Et comme vous le savez, depuis quelques mois, les forces vives de Guinée, composées principalement du FNDC, des forces sociales de Guinée, de l'ANAT, et du FNDC politique, mais aussi du RPG essentiel et du FFP, ont suggéré qu'il y ait un dialogue qui soit présidé par la CEDEAO afin qu'on puisse discuter de toutes les questions essentielles. Et comme vous le savez, le 5 septembre 2021, un groupe d'officiers de l'armée guinéenne ont usurpé le pouvoir d'État. Donc cela, en fait, explique toute l'illégalité et dans laquelle notre pays est en train de vivre depuis 18 mois. Donc, et concernant cette manifestation qui a été projetée par les forces de Guinée dans la journée du 10 et du 11 et les journées du 17 au 18, mais aussi les journées du 24 au 25, ou le nouvel agenda aussi pour le mois de juin qui sera disponible au plus tard le 30 mai. Et concernant les constats qu'il faut y faire, il y a lieu de retenir que hier, et après l'enterrement du jeune qui a été assassiné du côté de Walindara, et les forces de défense et de sécurité sous les ordres du chef de brigade Bala Samoura et du directeur central des unités d'intervention CNIS, ils ont déployé autour de ce quartier, je parle de Walindara,
tout un dispositif sécuritaire impressionnant. Et comme vous le savez, chaque fois quand ces jeunes gens partent enterrer les leurs, et cette frustration, cette situation où la justice qui ne s'est jamais bougée pour identifier, pour retrouver, pour rechercher ceux qui ont commis ces assassinats audibles, et au du moins, ça, ces jeunes gens ont, comment dire, avec la provocation des forces de défense et de sécurité, oui. Il y a eu des jeunes tiers, et les forces de sécurité et de défense ont répondu à des coups de gaz lacrymogène, mais aussi, plusieurs armes létales, je parle ici des Piavaka, dont un jeune a été victime d'une balle au niveau de son cou qui a malheureusement rendu l'âme. Et au nom des forces vives de Guinée, je profite de cet instant pour m'incliner sérieusement devant la mémoire de cet autre martyr, lâchement assassiné par la police et par la gendarmerie guinéenne, sans aucune enquête, sans aucune investigation, comme vous le savez. Ouais. Et ce nombre aussi vient compléter à plus d'une vingtaine de jeunes gens lâchement assassinés depuis le 5 septembre 2021. Il y a lieu de retenir aussi que depuis hier, et nous dénombrons au total 17 personnes qui ont été arrêtées, à la fois à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Comme vous le savez, la direction du surveillance du territoire du Pas de la DST a soumis une liste au haut commandant de la gendarmerie nationale qui a pour objet de participer à tout un razzia de tous les leaders d'opinion et des leaders politiques dans le Grand Conakry et en province. Donc depuis hier nuit, aux alentours de 2h jusqu'à ce petit matin, on dénombre des arrestations des jeunes gens qui avaient pour objet d'organiser et de faire entendre les citoyens le mot d'ordre des forces vives. Il y a lieu aussi de signaler qu'hier, on a dénombré au total 8 blessés, dont 4 par balle, et tous dans la zone de Sonfonia à Walindara. Il y a lieu de retenir aussi en thème de constat, hier nuit, aux alentours de 2h du matin, les unités du bataillon autonome des troupes aéroportées FATA, du groupement d'intervention rapide, sont rentrées en action. Ces unités ont été complétées le matin par la rentrée en jeu des unités du CNS, d'escadron mobile, mais aussi des commissariats centraux et de la gendarmerie départementale. Ce qui a lieu de retenir, oui. Que c'est depuis le 8, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a requis encore l'armée à Conakry comme en province. Donc, et le chef d'état-major général des armées a été requis afin de prêter main forte aux unités de maintien d'ordre dans le Grand Conakry de la période du 8 mai jusqu'au 30 mai afin de rétablir l'ordre public. Et comme vous le savez, nous sommes à plus d'une vingtaine de morts tous par balle. Jusque maintenant, aucune enquête n'est menée. Donc c'est ce climat que je peux vous décrire. Ouais. Et les collectivités aussi des 5 communes de Conakry, mais aussi les collectivités en province, oui. Ont tous dit net qu'il n'y aura pas de marche pacifique et citoyenne dans leur localité. Donc le comité de stratégie des forces de Guinée s'est aussi tout réuni. Nous avons changé de paradigme et je pense bien que les consignes sont passées au niveau des structures de base et des dispositions ont été déjà prises. Donc en tout état de cause, les heures qui suivent, les populations passeront par tous les moyens légaux pour se faire entendre. Oui, Basekou. C'est Koukounduno. Si on n'a aucun doute de la capacité de mobilisation de vos partisans, de vos soutiens sur l'axe Bambito-Koza, mais sur l'autoroute, on a bien des réserves parce que ce matin, les informations qui nous ont été renvoyées par nos équipes parlent de circulation fluide et les boutiques, les magasins sont ouverts. Comment expliquez-vous aujourd'hui cette absence de mobilisation du côté de l'autoroute? Est-ce que peut-on dire le RPG arc-en-ciel, finalement, les soutiens du RPG arc-en-ciel, les partisans du RPG arc-en-ciel n'ont pas répondu à votre appel? C'est le cas aussi de l'axe Sonfonia, en passant par Lambagny jusqu'à Taouya. Jusqu'à Dixine. Tranquillité, ouais. Même s'il y a moins de circulation, le littoral. Écoutez, chers chroniqueurs, dans le suivi opérationnel et au niveau des forces vives, nous sommes très pointus, ça je peux vous le rassurer. Moi, ça fait près de 48 heures que je n'ai pas fermé les yeux. C'est pour vous dire tout le sérieux que nous mettons dans le suivi opérationnel. Je puis vous rassurer que le mot d'ordre est suivi, et ça je profite de vos ordres pour féliciter les militants et sympathisants et des forces vives, parce que l'atmosphère... On est sur le terrain, nous aussi, on est là, c'est coup. Koumoulou, pas sur l'autoroute, encore moins sur la corniche. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Bien, allez-y. Parce que au bout de mes idées, vous verrez que je pars avec des paramètres chiffrés. Je disais tout à l'heure que le mot d'ordre est suivi. Et comme vous le savez, l'ensemble de nos manifestations commence aux alentours de 10h-11h. Les gens, ce petit matin, ont le petit déjeuner à prendre.
ils ont à récupérer tranquillement et se mettre l'esprit en place avant de sortir pour protester et pour manifester. L'atmosphère qui règne sur notre Fidel Castro, je puis vous le dire aussi avec beaucoup d'assurance, que ce n'est pas le climat actuel. L'exercice de nos libertés individuelles et collectives ne doit pas nous empêcher à laisser aussi ceux qui ne sont pas concernés à vaguer librement et à leur activité, comme vous le savez. Nous sommes des républicains, nous sommes des démocrates, nous exigeons que nos libertés qu'on puisse les exercer tranquillement, mais aussi nous ne pouvons pas aussi empêcher ceux qui ne sont pas concernés par notre mot d'ordre à ne pas exercer aussi leur activité quotidienne. Mais donc, en tout état de cause, que ce soit à Conakry ou à l'intérieur du pays, je peux vous rassurer que dans les minutes et heures qui suivent, vous constaterez qu'il y a un changement drastique. Mais l'atmosphère et l'environnement qui règne aujourd'hui à Conakry et à province n'est pas un environnement habituel. Bien, c'est quoi le mode opératoire, Sekou Kounouno ? Quand on sait bien, vous-même vous l'avez rappelé, et c'est connu de tous que les rassemblements ne sont pas autorisés et ce mot d'ordre de manifester que vous lancez n'a pas été autorisé ni par les municipalités de Conakry ni par celles de l'intérieur du pays. Quel va être donc le schéma opérationnel sur le terrain ? Quelle est la consigne si ce n'est pas vous demander de démasquer vos batteries ? Écoutez, ce que je peux vous dire, sans rentrer dans assez de détails, cher Aboubakar, le comité des leaders a à sa disposition depuis près de 3 semaines et 4 grandes actions qui seront menées. La première action et ce bras de fer que nous engageons sera engagé aujourd'hui. Cette première action va concerner tout le mois de mai, c'est-à-dire du 10 jusqu'au 25 mai. La seconde action sera engagée à partir du début du mois de juin. Nous montons en crescendo jusqu'au point culminant. Et je pense bien, avant qu'on atteigne le point culminant, nos objectifs que nous sommes assignés seront atteints. Nous n'avons aucun doute que face à ce bras de fer que nous engageons, le CNRE ne pourra pas céder parce que c'est une entité qui manque un peu de base électorale, qui manque d'assises. Donc à un certain niveau, nous finirons par les faire plier, nous n'avons aucun doute. Mais bien. Ce que je peux vous rassurer, oui, c'est la toute première action qui est déjà engagée et qui va couvrir tout le mois de mai. Et la seconde action sera engagée en début du mois de juin. Bien. De cette manifestation, il y a ce communiqué signé de grand imam de Conakry, de l'archevêque de Conakry, qui quand même ont arraché la levée, donc la suspension, pardon, du contrôle judiciaire, l'endroit des membres des forces vives guinéennes, mais aussi la mise à disposition de ces religieux, de Foniké Mangé et compagnie. Est-ce que dans les jours qui suivent, on peut espérer une suspension de vos manifestations pour revenir à la table de dialogue afin de discuter des points essentiels? Écoutez, Bassekou, je suis très peiné, hein? Je suis très peiné et attristé, c'est comme aussi l'ensemble des leaders des forces vives, de voir ce communiqué truffé de contre-vérité. Mais nous avons aussi l'assurance. Truffé de contre-vérité. Nous avons l'assurance. Truffé de contre-vérité. Nous oui. avons l'assurance que ce communiqué n'émane pas de nos chefs religieux. Eh ben? Et ce communiqué a été rédigé par la primature. Ils ont apposé la signature des chefs religieux, ils l'ont publié sur la page de la primature, ils l'ont publié sur la page du ministère de l'Information et de la Communication. Nous n'avons aucun doute. La seule chose et le seul message que nous lançons à nos religieux, nous les disons tout simplement. Qui sont l'interface entre nous et notre Seigneur, je parle de Dieu, qui sont l'interface entre nous et nos gouvernants, qu'ils aient le courage, à un moment donné de notre histoire, de notre destin commun, de dire la vérité, rien que la vérité. Depuis la naissance de notre République, le 2 octobre 1958, nous avons fait constater par tous les grands analystes et observateurs que nos chefs religieux se sont toujours alignés derrière nos dirigeants. Ils sont toujours alignés derrière les plus forts, qu'ils comprennent que l'histoire rattrape les hommes et qu'à un moment donné, ils seront tenus obligés, en tant que chefs religieux, de rendre compte au Seigneur. Donc qu'ils comprennent que la manipulation, l'instrumentalisation, à un certain niveau, à un certain moment, même à travers vos propres intérêts, vous devez dire non et vous assumer et vous plier les clics et claques et dire qu'on ne peut pas continuer à être du côté des forts tout en faisant plier les plus faibles. Je le répète avec beaucoup d'insistance que ce communiqué contient des contre-vérités systématiques. Il n'a pas été rédigé par les religieux, il a été rédigé par la primature soumise pour signature aux religieux. Bien, Manu, quelles sont ces contre-vérités?
Quels sont oui, évidemment. Moi, ça veut dire que ce sont les religieux qui ont signé quand même. Je voulais aussi le faire cette précision. Ce n'est pas tant qui l'a rédigé, mais c'est son contenu qui est important. Il contient des contre-vérités. Lesquelles? Vous savez, Manu, moi, c'est la précision et la clarté. Nous avons eu des mandats qui ont discuté avec les chefs religieux. En présence des chefs religieux, en face le Premier ministre. Des points ici, après, comme préalable, ont été discutés. Le premier point concernait la libération des otages détenus par le ravisseur qui est le CNRD. Je parle de coordinateur national du FNDC, à l'occurrence, pour qui mangeait. Je parle du chargé des opérations, Ibrahim Diallo. Je parle de Biloba, le responsable des antennes. Le second point concernait la libération systématique de tous les détenus de la CRIEF qui ont bénéficié des ordonnances de mise en liberté. Oui. Pour la simple et unique raison, nous avons estimé que le procureur de la CRIEF est sous la responsabilité du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice est sous la responsabilité du président de la République. Donc, en clair, le procureur de la CRIEF est instrumentalisé, il est sosifié. Le troisième point concernait l'abandon des poursuites judiciaires fantaisistes à l'encontre des leaders politiques et sociaux en dehors du pays. Le quatrième point concernait la levée systématique de l'interdiction du droit de manifester. Le cinquième point concernait l'ouverture d'un dialogue fécond sous l'égide de la CEDEAO. Le sixième point concernait la discussion des points essentiels sur la colonie de la transition. Je parle du fichier, je parle de la constitution, je parle de l'organe de gestion des élections. Le sixième point concernait le rétablissement des libertés individuelles et collectives. Le septième point concernait le droit de réunion. Mon cher ami, est-ce que ce point la figure dans ce communiqué truqué de contre-vérité? Bon sang de Dieu. Bien. Oui, dernière question. Ouais, il y a deux points. Mais c'est Koukounouno, est-ce que vous réaffirmez que ce communiqué a été quand même signé par les deux religieux? Et même à ce niveau, nous avons des doutes très forts. Parce qu'en tout état de cause, il suffit d'aller sur la page de la primature, aller sur la page du ministère de l'Information, voir l'annonce même à la RTC, et voir la période de l'annonce. Vous savez, nous sommes des gens suffisamment responsables et qui connaissent comment le pouvoir d'État est exercé. Je le dis avec beaucoup de certitude que ce communiqué contient des contre-vérités et la déception et la tristesse ne font aucun doute. Ce pays doit changer. Nos religions, à un moment, ils doivent comprendre qu'ils ont l'interface entre vous et le Seigneur. Ça veut dire que même si moi, par exemple, je décide de partager ce communiqué sur ma page, ça veut dire que c'est moi qui l'ai rédigé. Emmanuel, je te renvoie au mécanisme de fonctionnement des pouvoirs d'État africains. Tu comprendras largement. Bien. Il me semble un peu bien dans ce qu'on appelle le raisonnement d'ordre classique. Bien. Sekou Koundouno de FNDC et des forces de Guinée en direct sur FIM FM et sur nos déclinaisons numériques. Grand merci à vous, Koundouno. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et on fera un point, un bilan d'étape avec vous à la mi-journée dans l'édition spéciale de 13h à 15h sur nos antennes et sur nos pages Facebook et notre chaîne YouTube. Allez, dans un instant, on va partir sur le terrain pour rejoindre Sori Kandia Bangoura, reporter tout-terrain qui est déployé sur l'axe Amdalaï Bambeto-Koza. Lincoln, on vient d'entendre Sekou Koundouno. Oui, on l'a entendu. Moi, j'ai eu des difficultés à comprendre le communiqué puisque nos religieux qui étaient censés quand même assurer la médiation ont renvoyé dos à dos et le gouvernement et les forces vives. Ouais. Donc moi, j'estime que ce n'était pas le rôle à tenir. Mais par rapport à la manif, Sekou Koundouno vient de révéler les points que nous savions à l'avance par rapport quand même aux différents points autour desquels... Au préalable. Ou les préalables. Oui. Mais très malheureusement, moi j'ai comme impression qu'en lisant ce communiqué, on a le message du gouvernement et non plus le message des religieux. Ce qui se passe, je ne sais pas encore, mais une fois de plus encore, j'estime, je comprends la difficulté pour les facilitatrices de conduire le dialogue. Si les religieux ont échoué, c'est que les facilitatrices ont tenté, elles n'ont pas pu mettre, très malheureusement. Bien. Ben voilà, c'est voilà ce qu'on va faire. On va aller très rapidement sur le terrain pour savoir comment l'axe Amdalaï Bambeto-Koza se comporte ce matin pendant qu'il est 9h48 sur nos antennes. Sori Kandia Bangoura, reporter tout terrain de FIM Guinée en direct. Bonjour Sori Kandia, bienvenue. Bonjour à Boubacar, bonjour à toute l'équipe. Bien, quel est le constat sur place sur l'axe Koza Amdalaï, Koza Bambeto Amdalaï?
À l'instant, je me trouve au niveau du carrefour Bomboli, oui. où la tension est vraiment vive ici. Des affrontements sont constatés entre forces de l'ordre et manifestants. Les manifestants qui font usage de pierres et de barricades et ils brûlent les pneus sur la chaussée, ils sont quand même parvenus à bloquer complètement la circulation. Pour ceux qui viennent de la haute banlieue pour rallier Bambeto, ils ne peuvent dévier à partir de Kosa, puisque là, il y a beaucoup d'affrontements entre les forces de l'ordre qui font usage de gaz lacrymogène et les manifestants qui quand même parviennent à centralisé ici et la partie est polluée de gaz lacrymogène, il est difficile de respirer sur cette place. Bien, donc l'axe pour l'instant totalement paralysé, oui. Rikanga, dites-nous, quelles sont les unités qui sont déployées? Est-ce que vous notez ou pas la présence des militaires dans les rues? Non, dans les rues, puisque j'ai eu à faire le tour de Tanneri Rond-Point, point de ralliement, à Kosa, derrière les rails, jusqu'à Kankarefour, en allant jusqu'à on appelle je veux parler de Hamdallah, pratiquement je n'ai pas observé de militaires pour être franc, je n'ai pas observé de militaires sur la route, je n'ai vu que des policiers et des gendarmes. Des policiers et des gendarmes appuyés bien sûr par leur commandant d'unité, parce que je vois même des commandants de groupement qui sont dans la rue, notamment des colonels et des commandants, bien. Qui quand même sont en train d'encadrer les hommes. Et qu'en est-il du grand rond-point de la tannerie où sont censés se rassembler les partisans des forces vives de Guinée? En tout cas, c'est le point de ralliement selon ce qui a été annoncé par les forces vives de Guinée. Lors de votre passage sur place, qu'avez-vous constaté sur le Kanya en 30 secondes? Au rond-point de la tannerie, il y a un dispositif posto composé des mambas et des pitons de la gendarmerie et de la police qui font de sorte que qu'il n'est pas possible de se rassembler. Je vous dis, avocat, oui. parmi tous les points que j'ai quand même aujourd'hui exploré, oui. c'est juste Bomboli qui est difficile aujourd'hui à maîtriser de la part des forces de l'ordre. Et vous conviendrez que cela va sans dire qu'on ne peut pas aller vers Andalai puisqu'il est quasiment impossible de traverser. Surikandia, on est obligé de rendre l'antenne. Basiko, on va revenir à Surikandia et à tous nos déployés sur le terrain. AOB qui est du côté de l'autoroute, Mbani Silibé donc sur le littoral, tous les trois et d'autres que nous allons appeler dans la troisième et dernière partie de cette émission. Rappelez donc que nous partirons également du côté du RPG Arc-en-Ciel pour entendre Sekou Swapé qui va s'exprimer. Du côté du FNDC politique, donnerons la parole à Mohamed Tal, directeur du cabinet du président de l'UFR, M. Sidya Touré, ancien ministre, qui va aussi prendre la parole, tout comme Joachim Baba Milimono du côté de l'ANAD. Reviens dans quelques minutes. Avec Milkana, vivez des moments de bonheur et de douceur avec vos enfants. Offrez-leur le meilleur, les délicieux desserts Milkana. Découvrez leur nouvelle recette extra crémeuse, source de protéines, avec de vrais fruits mixés et du bon lait de vache. Comme avant, ils vous accompagnent toute la journée, même hors du frigo. Milkana, la force du lait, la force de l'amour. Excusez-moi. T'inquiète, c'est pas grave. Désolé, c'était les intérêts. Non, t'inquiète. Mais attends, vous avez tous quoi assurer aujourd'hui là? Mais tu sais pas? Non. C'est la folie chez Mouna. Regarde. L'internet n'est pas un luxe. Mouna vous l'avait dit. Offrez-vous une connexion illimitée jusqu'à 20 mégas avec la fibre optique au prix de 690 000 francs guinéens. Si, si, je répète, au vrai prix de 690 000 francs guinéens. Ce n'est pas beau ça? Et ce n'est pas tout. Mouna et Canal+, associent l'internet à votre abonnement télé. Recevez vos programmes TV via MyCanal tout en profitant de l'illimité pour une seule facture. C'est seulement Mouna qui fait ça. Pour vous abonner, appelez le 95 ou écrire à vente@mounagroup.com. Mouna Group Technologies, nous faisons mieux. Sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre.
Bienvenue à la boutique de literie Nordine et Frères, spécialisée dans la literie, les abayas, les hijabs pour femmes et les djilbabs pour hommes et enfants. À la literie Nordine et Frères, vous trouvez sur place des draps doux, moelleux et de qualité pour un bon sommeil, des rideaux avec des finitions parfaites, disponibles en deux et trois pièces, des couvres matelas, des pyjamas, des caftanes pour hommes, femmes et pour enfants à moindre coût. La boutique Nordine et Frères dispose de tout ce dont vous avez besoin pour créer votre oasis de sommeil parfait, un habillement simple, élégant et responsable en toutes circonstances. Pour vos tenues de fête et de cérémonie, vos tapis de prière, vos moquettes maison au bureau, Nordine et Frères est là pour vous aider pour trouver le meilleur choix qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget. De plus, nous nous engageons à vous offrir un excellent service client et à vous garantir une satisfaction totale. Nous sommes là pour vous aider à trouver la literie de vos rêves et de vous assurer des tenues qui conviennent à tous. Adresse Madina Route Niger, en face du centre Madame Barry. Téléphone 621 94 56 66 et à Coloma Marché 628 54 64 46. Nourdine et Frères, le bon prix pour dormir et s'habiller. L'eau est une source précieuse, vitale pour notre santé et notre économie. Pourtant, des millions de personnes dans notre pays n'ont pas encore accès à l'eau potable et à l'assainissement de base. Doter la population guinéenne en eau potable et un système d'assainissement fiable est une priorité, une question de souveraineté nationale. Mobilisons-nous pour léguer un avenir meilleur à la population guinéenne. Rendez-vous les 10, 11 et 12 mai 2023 à l'hôtel Primus Kaloum autour du forum qui va contribuer à construire un avenir durable pour tous. Le secteur agricole est au cœur de la politique de développement de l'État guinéen. Autant l'agriculture à grande échelle est un défi, son industrialisation en demeure une épine dans les politiques de son développement. Thiast Group, à travers sa filiale Thiast Guinée, répond à cette préoccupation majeure à travers un modèle d'affaires qui sera au centre de son tout premier webinaire ce jeudi 11 mai 2023 à partir de 11h. Cette conférence en ligne aura pour thème l'amidon de manioc, une nouvelle opportunité d'affaires pour redynamiser le contenu local guinéen. Intervenant: Dr Mamadi Bala Camara, directeur national de l'industrie. Dr Habib Kourouma, consultant en chef chez Thiast Guinée. Monsieur Bangali Diarra, directeur général du Fonds de développement industriel et des petites et moyennes entreprises. Madame Traoré Adjana Ndiaye, présidente du conseil d'administration de la SCODA. Professeur Nyanga Nisefor Malo, enseignant-chercheur au Canada et fondateur de l'UDECOM Zéro Corée. 5 acteurs économiques, publics et privés, pour répondre à l'ensemble de vos questions sur l'industrialisation agricole et le défi de valorisation du contenu local guinéen. Inscrivez-vous dès maintenant en laissant un message sur le 611 11 44 44. Welo welo aduna tingi tingi kino yiri salam lemone salam pom no kasahara ko salam mango angkadi salam punye no hey fi hodu hina salam dillado eme joni non ko hodu burani yo he ko no min kala ko ni ji salam no wela la tech salam julie ge fi kala ko yidu donko salam souriez à la vie. Le vrai goût de la nature. Alors, vous êtes plutôt salam orange, salam pomme? Non, salam mangue peut-être. Et salam ananas? Pourquoi pas salam multifruit? Ah, mais vous aussi, finalement, vous préférez quoi? Moyen, hey, j'aime tout. Tous les jus salam, j'adore. Salam, des jus de fruits naturels pour tous les goûts. Salam, souriez à la vie. Girite girere la dia. Ora ile salam le mun dalé dumay ngé. Salam pom do. Ile fana. Salam ma ko ronta do. Meke ni salam ke bibita di do. Hé, mun ne don tanya basa no ta do. Hé, ile koné. Koné ma ko na boto pa. Iye mo ko boto. Hé, abé. Juste salam bé dumanyé. Salam.
Salam, Gidenginama, Diasme de la Rémi Mena. Salam, souriez à la vie. En Afrique et ailleurs dans le monde. Surf de l'actu. Bonjour à toutes et à tous. Alors que les forces vives de Guinée appellent à une manifestation ce mercredi sur l'autoroute Fidel Castro, il n'y a l'ombre d'aucun partisan des forces vives au grand rond-point de la tannerie. Il existe un dispositif sécuritaire marqué par la présence des pick-up et camions de la gendarmerie. Notre reporter Amadou Ouribari a fait le même constat au rond-point de l'aéroport où on observe la présence d'un important dispositif sécuritaire sur cette transversale qui mène à Bambeto dans la commune de Ratoma. Les activités commerciales aussi tournent à merveille sur l'autoroute Fidel Castro. Les magasins situés le long de la route sont ouverts. Même constat dans les marchés de la tannerie et à Tanene, à l'aviation, au marché. Femmes et attelagistes se bousculent. La circulation, quant à elle, reste fluide ce mercredi sur ce axe où souvent les appels aux manifestations politiques sont ignorés. Par contre, en Zérecourt et au sud du pays, ce mercredi, quelques jeunes ont barricadé la route et brûlé des pneus sur la chaussée à partir du grand rond-point de Dourata dans la commune urbaine. L'appel à manifester des forces vives de Guinée, pour le moment ignoré sur le littoral également, de Lambani en passant par Nongo, Kaporo, Kipe, Amdalaï, rond-point jusqu'à la Bellevue. La circulation connaît pour le moment son rythme habituel seulement. À quelques endroits, l'on remarque la présence des forces de l'ordre, mais pas l'ombre d'un manifestant. Le commerce, les écoles et autres activités continuent de fonctionner comme d'habitude. On reste en Guinée pour, mais cette fois-ci en Russie, les étudiants boursiers guinéens en Russie ont investi la cour de l'ambassade ce mercredi pour exprimer leur ras-le-bol face au retard accusé dans le paiement de leur bourse d'entretien par les autorités guinéennes. Munis de pancartes sur lesquelles sont mentionnés étudiants oubliés, nous réclamons nos droits, nous complétons nos bourses. On vient d'apprendre que plusieurs étudiants ont été violentés et arrêtés. En Tunisie, deux fidèles qui participaient à un pèlerinage juif à Djerba ont été tués mardi soir dans une attaque menée par un gendarme qui a également tué deux de ses collègues avant d'être abattu, a annoncé le ministère de l'Intérieur ce mercredi matin. C'était tout pour ce soir de l'actu. Restez avec nous dans un court instant. C'est la suite et la fin de votre émission Mirador. Dans un court instant avec le juste Aboubacar Diallo dans ce studio à notre maison de radio. FIM FM. Avec Nulcana, vivez des moments de bonheur et de douceur avec vos enfants. Offrez-leur le meilleur, les délicieux desserts Nulcana. Découvrez leur nouvelle recette extra crémeuse, source de protéines, avec de vrais fruits mixés et du bon lait de vache. Comme avant, ils vous accompagnent toute la journée, même hors du frigo. Nulcana, la force du lait, la force de l'amour. Excusez-moi. Ok, c'est pas grave. Oh,
Désolé, c'était les entrées. Non, t'inquiète. Mais attends, vous avez tous quoi à sourire aujourd'hui là? Mais tu sais pas? Non. C'est la folie chez Mouna. Regarde. L'internet n'est pas un luxe. Mouna vous l'avait dit. Offrez-vous une connexion illimitée jusqu'à 20 mégas avec la fibre optique au prix de 690 000 francs guinéens. Si, si, je répète, au vrai prix de 690 000 francs guinéens. Ce n'est pas beau ça? Et ce n'est pas tout. Mouna et Canal+ associent l'internet à votre abonnement télé. Recevez vos programmes TV via MyCanal tout en profitant de l'illimité pour une seule facture. C'est seulement Mouna qui fait ça. Pour vous abonner, appelez le 95 ou écrire à vente@mounagroup.com. Mouna Group Technologies, nous faisons mieux. Sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre. Bienvenue à la boutique de literie Nordine et Frères, spécialisée dans la literie, les abayas, les hijabs pour femmes et les djilbabs pour hommes et enfants. À la literie Nordine et Frères, vous trouvez sur place des draps doux, moelleux et de qualité pour un bon sommeil, des rideaux avec définition parfaite, disponibles en deux et trois pièces, des couvre-matelas, des pyjamas, des caftanes pour hommes, femmes et pour enfants à moindre coût. La boutique Nordine et Frères. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Encore pour près d'une heure sur Film Guinée 95.3 et sur ses déclinaisons numériques. Dans un instant, on va repartir sur le terrain pour joindre nos reporters déployés aux quatre coins de Conakry. On retournera sur l'axe Kosa Bambeto Amdalaï pour donc joindre de nouveau Souri Kanda et tout comme nous partirons du côté de l'autoroute pour où se trouve Amadou Ouri Barry Aoubé et du côté du littoral nous irons joindre Mbani Sidibé donc pour prendre le pouls de cette journée de manifestation à l'appel des forces vives de Guinée, à rappeler également les prises de parole à venir de Sekou Swapé du RPG Arc-en-Ciel mais aussi de Joachim Baba Milimono de l'ANAD, tout comme Mohamed Tal de l'UFR et du FNDC politique, tous les trois qui vont prendre la parole successivement dans cette émission. D'ici là, quelques réactions très rapidement. Le temps pour Ibrahim Baba Ndiallo de préparer AOB, donc qui est du côté de la route, de l'autoroute Fidel Castro, et pour nous dire un tout petit peu comment se comporte. Là, en fait, le point de ralliement, le grand rond-point de la tannerie, censé être donc le point de ralliement de cette manifestation. Et encore une fois, à l'appel des forces vives de Guinée, Tribien Flistro qui s'exprime. Bonjour Mirador, la boussole n'indique aucune direction. Les erreurs du passé reviennent à pas géant. Vivement les manifestations citoyennes pour redresser la boussole qui vacille dans tous les sens. Transition Mandamara. Ibrahim Assori Diallo qui y va de son commentaire également. Bonjour à Aboubacar et à l'équipe du jour. Aboubacar, cette junte est déterminée à faire taire toutes les voix discordantes pour enfin confisquer le pouvoir. Sinon, comment comprendre ces arrestations arbitraires? Et je vous informe que le fédéral jeune de Matam, Cœur Nos Carrières, vient d'être arrêté pour aucun motif. Ibrahim Assori Diallo depuis Madina Boussoura qui nous envoie ce message. C'est autre Muller Mazid Dagueng. Bonjour à tous, Aboubacar. Je rappelle Doumbouya qu'on peut tromper. Et donc il rappelle à Doumbouya qu'on peut tromper une partie du peuple tout le temps, qu'on peut tromper un certain temps tout le peuple, mais qu'on ne peut jamais tromper tout le peuple tout le temps. À bon entendeur, salut. Maïouya Barry. Bonjour Monsieur Aboubacar Diallo. Bonjour au peuple de Guinée. Bonjour à mon village natal d'Arès Salam dans Dengra. Que Dieu bénisse les Guinéens. Je demande à Doumbouya et son CNRD de penser à demain car ils sont redevables de la population guinéenne. Attention où Blaise Compaoré et même Dadis aujourd'hui. À bon entendeur, salut. Signé Barry Maouya depuis Libreville au Gabon. C'est Lou Diallo qui s'exprime. Bonjour Aboubacar, permettez-moi de placer ceci. Si le colonel est de bonne foi pour que cette transition réussisse, pourquoi lui personnellement il n'appelle pas les forces vives pour parler des préalables et régler ça pour nous éviter une fois ce bras de fer? C'est aussi simple que ça. C'est celui depuis Coloma qui nous envoie ce message. Général Nesto qui y va également de sa grille de lecture. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Nos religieux sont des businessmen des crises. Doumbouya doit libérer Foniké et autres comme il l'a fait quand il a pris le pouvoir le 5 septembre. Car ils ont été arrêtés par les mêmes hommes mis dans la même prison
Pour les mêmes raisons, nos religieux devraient dire ça. Au père, malheureusement, ils n'ont pas le courage d'être à côté du peuple. Donc, du côté du peuple, c'est Général Nesto qui nous envoie ce message. D'autres réactions. On va essayer de prendre le maximum avec cet autre. C'est Barry Mohamed Alpha UFDG qui est à l'écoute. S'il vous plaît, cette transition a complètement échoué. Et lamentablement, et cet échec est imputable uniquement au colonel Doumbia et à son CNRD qui refusent tout compromis depuis 2 mois après le coup d'État. Et quant aux religieux, j'ai un respect religieux pour eux, mais cette médiation est confuse et l'acceptation de ces préalables urgents par la junte est complètement floue et obscure. C'est ça la réalité crue, selon Barry Mohamed Alpha UFDG qui nous envoie ce message. Allez, d'autres réactions avec ce leader politique, c'est qui exactement? C'est Ansoumane Fofana, président du Parti Républicain pour le Renouveau PRR, vice-président de l'APAV. Bonjour Mirador, je trouve que les conditions dilatoires émises par certains membres des forces vives pour éviter de prendre part à la rencontre des religieux et le gouvernement est une intelligence plutôt politique qui risque de surprendre plus d'un. À cet effet, je pense que les forces vives doivent se redéfinir afin d'être à même de préserver leurs propres intérêts. Les rumeurs tardifs et la politique ne font pas bon ménage. Enfin, connaissant l'histoire des manifestations en Guinée, j'en appelle à la retenue et au calme. En la matière, ni l'opportunité, ni le réalisme ne sied. Les forces vives doivent savoir raison garder. Vive la République pour que vive la paix. Ansoumane Fofana, président du PRR, qui nous envoie ce message. Bolokara de Tourama. Kev Fimba doit libérer immédiatement les cadres du RPG Arc-en-Ciel et accepter de mettre un cadre de dialogue inclusif pour la bonne conduite de la transition guinéenne. L'acharnement politico-judiciaire contre les cadres du RPG Arc-en-Ciel de reprendre son pouvoir dans leurs urnes. Et je me prépare comme ça pour la manifestation pacifique d'aujourd'hui et j'invite les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel de sortir massivement pour répondre à l'appel des forces vives de Guinée. Bolokada de Trois-Mains qui nous envoie ce message. Monsieur Condé aussi qui est à l'écoute. Bonjour. Les premières victimes des régimes militaires sont les militaires eux-mêmes. C'est ce que les Nigériens ont compris pour mettre fin au coup d'État permanent chez eux. Il faut que les militaires guinéens prennent l'exemple des Nigériens en refusant d'accompagner le coup d'État et de rendre court le séjour à la tête du pays des militaires. Monsieur Condé donc qui nous envoie ce message. Du côté de l'Empire du Milieu, on réagit également avec Billy Keïta. Bonjour Titi, bonjour Mirador. Pourquoi le discours du sacré Charlie Shaw, ministre de l'Injustice, a changé? Il pose la question. Sinon, il avait dit sur Guillaume FM ceci: la politique ne doit pas être la boussole de la justice. Pourquoi aujourd'hui il a cédé la libération de Fonique Mengue, comme Mofasori Doumbouya disait qu'il n'y a pas de sacrifice. Merci mon sacré Charlie Shaw d'avoir servi la République. Agnon. Allez, cet autre, c'est bien entendu du côté de Mosaïque Guinée, on réagit. Bonjour Aboubakar. La permutation entre Sadiba et Biss signifie à mon sens que la confiance s'est effritée entre l'ancien patron des forces armées et son grand patron, le Jordan d'Amsterdam. Le retour de Biss à la maison peut aussi s'expliquer par le fait que Mamadi a bien voulu confier l'armée à celui qui la connaît mieux pour contrer toute velléité subversive. Quand on compare le parcours de Biss et de Sadiba, il n'y a pas match. Il a le même parcours que l'inspecteur général des forces armées, commando Faguet, en mettant donc Biss à la tête de l'état-major général des forces armées. Le colonel se met à l'abri, mais pour combien de temps? Il pose la question, changement pourrait aussi se produire à la tête de la gendarmerie. Qu'Allah protège la Guinée. Et voilà ce message en provenance de Mosaïque Guinée. Allez, d'autres réactions très rapidement. Allez, deux dernières réactions avant de continuer cette émission. Pour l'autorolissant, bonjour Aboubakar, le virtuose de l'animation en Guinée. Et bonjour au juge Taram. Les autorités doivent accepter les préalables posés par les forces vives afin d'éviter une situation de crise qui pourrait avoir des conséquences désastreuses. Nous croyons fermement que leur mise en œuvre permettra une résolution pacifique et durable de la situation, selon pour le Toro Linsan qui nous envoie ce message. Un dernier, c'est bien entendu cet auditeur qui est à l'écoute, c'est bien Ibou Diallo du modèle. Bonjour cher Aboubakar, la bonne foi recommande plutôt d'exiger de l'État de jouer son rôle de garant, protecteur et promoteur
de l'exercice des libertés individuelles et collectives au lieu de criminaliser le droit de manifestation en prédisposant les esprits à la mort. Ibou Diallo du modèle qui nous envoie ce message. Le dernier, c'est Souma le Guinéen. Bonjour le juste Aboubakar et à toute l'équipe. Je voudrais vous dire que vous êtes les meilleurs. Mirador est la meilleure émission en Guinée. Bonne journée à tous. Merci. Allez, qui est à l'écoute? C'est AOB. Voilà, AOB depuis l'autoroute en direct. Bonjour AOB. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous les millions d'auditeurs. Bienvenue, Manu. Alors, AOB, l'autoroute fait partie des axes ciblés par les forces vives de Guinée pour la manifestation d'aujourd'hui. Et vous êtes sur place, quel est le constat actuellement notamment, la situation notamment au rond-point de la tannerie, oui, qui est considéré comme le point de départ de la marche pacifique et citoyenne prévue par les forces vives de Guinée. Écoutez, Aboubakar, Emmanuel Minello, on peut le dire, hein, au regard de, en tout cas du constat que nous avons dressé, que l'appel donc à la manifestation lancée par les forces vives n'a pas du tout été respecté sur l'autoroute Fidel Castro, puisque très tôt le matin, nous avons donc commencé à entamer le constat ici à la tannerie, où au moment où je vous parle, je me trouve, mais ici, à lieu, on observe l'ombre de camps manifestants, en lieu et place plutôt des manifestants, il y a des camions de la gendarmerie estampillés, GIPM, GN, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a ces deux camions qui sont stationnés là, à la tannerie au rond-point, mais également des pick-up, donc des services de sécurité. Et nous avons dressé le même constat à l'aéroport, au rond-point, au grand rond-point de l'aéroport de Bessia. C'est là où il y a un important dispositif sécuritaire sur cette transversale, vous savez, qui mène directement à Bambeto. Là également, nous observons la présence de beaucoup de policiers et de gendarmes. Nous avons donc poursuivi la randonnée jusqu'au marché Madina. Et tenez-vous bien, au pont de Bessia également, nous avons observé la présence de 4 pick-up et des policiers. Donc, du point de vue activité commerciale à Aboubakar Diallo, oui, on peut dire, lorsqu'on partait, nous avons observé que les boutiques des magasins étaient ouvertes, mais à notre retour, il y a des boutiques et magasins qui étaient ouverts et qui ont fermé. Pourquoi ? Nous avons approché quelques-uns qui montent la garde devant leur lieu de commerce, qui nous ont fait savoir qu'ils ont appris, qu'ils ont eu écho que ça ne va pas sur l'axe Le Prince. Donc par peur, par psychose, ils ont décidé de fermer leur lieu de commerce tout en montant la garde. Donc on peut dire, Aboubakar, pour résumer, que l'appel donc à manifester des forces vives n'a pas du tout été suivi dans les marchés d'ailleurs, le marché Mayalon, voilà, à la tannerie, oui, en passant par le marché Yimbaya, Tannen Aviation, voilà, ce sont des marchés qui grouillent du monde, il y a des étalagistes, des marchands qui se bousculent dans ces marchés. Bien, allez, Bassikou, voilà. Oui, Amadouri, l'autoroute c'est aussi le fief du RPG arc-en-ciel. Comment peut-on expliquer aujourd'hui cette absence de mobilisation un peu de ce côté? Donc on peut dire que le RPG n'a pas réussi notamment à mobiliser, à paralyser, voilà, l'autoroute, ses partisans. Oui, oui. Nous, bien sûr, c'est qu'on peut le dire, et pas seulement le RPG, vous savez aussi, on pourrait dire que c'est un bastion quand même de l'UFR, de M. Sidya Touré, l'ancien premier, notamment à Matam, qui est son bastion, là aussi, on ne sent même pas, voilà, il n'y a aucune image de cette manifestation. Alors, moi, nous avons réalisé un micro-trottoir, nous avons interrogé quelques usagers, des citoyens, et Alassane Diallo, qui est un fonctionnaire qui se rendait à Kaloum pour travailler et qui peinait d'ailleurs à trouver un moyen de déplacement, alors nous a fait savoir que son souci aujourd'hui, c'est comment rallier son lieu de travail. Il a expliqué beaucoup de problèmes, il dit qu'il tire le diable par la queue. Les Guinéens sont éprouvés par cette crise économique. Alors, pour lui aujourd'hui, les forces vives et le gouvernement doivent s'entendre pour régler leurs différends autour de la table. Mais pour lui, les manifestations, depuis le temps d'Alpha Condé, n'ont rien réglé dans le pays. Donc pour lui, il invite d'ailleurs ses concitoyens à ne pas, si vous voulez, respecter le mot d'ordre lancé par les forces vives. Parce que pour lui, un problème doit trouver solution toujours autour de la table. De la table. Bien, oui, dernière question. Oui, mais AOB, sur l'autoroute, la réussite de la manifestation, c'est la densité de la circulation. Est-ce que la circulation est dense ou elle est fluide de ce côté? C'est le paramètre. Lincoln, la circulation, elle est fluide. On n'observe pas, c'est pas l'engouement habituel qui est là. La circulation, elle est fluide. Nous avons observé des bouchons seulement à la SIC, où il y avait un peu de bouchons, mais le reste, la circulation est fluide. On observe peu d'engins qui roulent. Et je sais que je vous dis, on a interrogé quelques usagers qui nous ont fait savoir que c'est par peur qu'ils ont décidé, certains ont décidé de rester chez eux,
Par contre, d'autres aussi sont sortis, mais ils sont prudents parce que pour eux, la situation peut dégénérer à tout moment. Très bien. Aoubé, en direct de l'autoroute Fidel Castro. Merci Aoubé. Restez en repérage. Donc, on reviendra à vous quand ce sera nécessaire. En tout cas, d'ici la fin de cette émission. Talibé, on vient d'écouter Aoubé. L'autoroute Fidel Castro, on s'en rend compte, n'a pas du tout répondu à l'appel de FBG. En tout cas, jusque maintenant, ce n'est pas le cas. Mais l'expérience des manifestations... On s'y attendait un tout petit peu. Oui, l'expérience des manifestations montre que très souvent, c'est à partir de 10h, 10h30 et au-delà, que la tension monte au maximum. Est-ce qu'il en sera ainsi sur l'autoroute ? Toujours est-il que Aboubacar, ouais. Quand il s'agit de manifester, on sait que l'axe se bougera. On a envie de dire presque forcément, on a envie de dire presque naturellement. En tout cas, quand... l'opposition appelle à manifester, ouais. Et maintenant l'enjeu, j'ai envie de dire même le défi, c'est est-ce que le RPG qui fait partie des forces vives, ouais, réussira à mobiliser, est-ce que l'UFE réussira à mobiliser du côté de Matam. Mais j'ai noté à Boakar quelque chose quand même qui peut paraître inaperçu, c'est que de tous les grands leaders des forces vives, celui dont j'ai vu une déclaration officielle à la mobilisation, c'est un appel officiel à la mobilisation. Où est Alpha Condé dans tout ça, ouais. Où est Sidi Touré dans tout ça, puisque c'est un peu les trois grands mastodontes au sein des forces vives de Guinée. Ouais. C'est des questions à se poser, mm-hmm, parce qu'on sait, Alpha et le RPG n'étaient pas favorables déjà au report des manifestations du 9 mars et tout ça. Est-ce que ce n'est plus le même engouement? C'est autant de questions à se poser. Ouais. Et voilà, ouais. ça veut dire que... L'évidence, c'est que voilà, c'est pas très sûr que les forces vives comptent sur une mobilisation des militants du RPG arc-en-ciel. Même si, voilà, on a, j'ai lu un article de une sortie de Cramo Nabé, bien entendu, de la coordination de RPG Arc-en-Ciel Europe, qui a dit sur Média Guinée que le RPG est totalement et entièrement associé à ces manifestations. Il ne faudrait pas qu'on parle demain seulement de l'axe. Voilà, c'est ce qu'il avait voulu lancer comme mot d'ordre aux militants de RPG Arc-en-Ciel, sauf que sur le terrain, ce n'est pas du tout le cas. Oui. Si tu permets, voilà. Bien. Momentanément, on barricadait, je crois, le grand carrefour de la ville. Mais toujours est-il que... Azer Corée s'est signalé. Bien. Mais vous savez, aujourd'hui, j'ai comme l'impression que tous les leaders là se font remorquer par Cellou Dalein, ouais, Diallo. Ouais. Parce que est-ce que Cancan bougera? C'est mais, la question. Mais voilà, si vous n'avez pas voulu que les manifs soient reportés, à un moment donné même, beaucoup se sont énervés contre le fait que l'UFDG a refusé vraiment de ne pas aller aux manifs. Mais aujourd'hui, les résultats sont... On n'appelle pas quand même à la violence. Mais si vous montrez que vous êtes incapable de mobiliser, mais laissez celui-là qui peut mobiliser vous remarquer ça aussi, la réalité. Bien. Une fois de plus encore, la solution, c'est l'apaisement, c'est l'entente, c'est au gouvernement de nous aider à sortir de tout ça à Bakar. Ouais. C'est inutile, ces scènes qui se font. La seule chose qui compte aujourd'hui, bien, c'est rétablir les manifestations, puisqu'on ne peut pas continuer à confisquer le droit des citoyens. Il est plus facile d'encadrer les manifs que de les réprimer. Bien. Tous ces agents sur le terrain aujourd'hui, ouais, qui sont en train, merci, de donner les forces, c'est de rien pratiquement. Bien. Entendez-vous, merci, chers membres, gouverneurs de ce pays, bien, c'est, la solution, c'est l'entente. Merci bien. À cette allure, Manu, on peut dire que ce n'est pas gagné, hein, en tout cas à l'heure qu'il fait, ce n'est pas gagné pour les forces vives de Guinée qui ont apparemment du mal à mobiliser ou en tout cas à faire sentir appel, leur mot d'ordre de manifester au-delà de l'axe de l'autoroute Le Prince. Oui, ça c'est un constat qui est déjà assez clair. La répercussion peut-être que l'on pourrait voir sur l'autoroute, c'est la psychose qui va entraîner certaines personnes à se méfier même de sortir aujourd'hui. Les gens auront peur. D'autant plus qu'il y a déjà cette, comme je l'ai dit tantôt, la peur de se retrouver peut-être dans une scène de violence. Ouais. Mais il y a aussi la peur des embouteillages que cela peut entraîner. Parce que lorsque vous avez à Conakry la route Le Prince qui ne fonctionne pas, eh ben, tout le monde descend sur l'autoroute. Hier déjà, c'était un calvaire hier nuit. Ouais. Ce matin, moi, je suis sorti à 6h du matin à Boakar, j'ai vu des embouteillages. Ouais. Ça veut dire que c'est tout cela peut entraîner, évidemment, le fait que les gens ne sortent pas. Donc ça, c'est une conséquence que l'on
l'on pourrait voir. Ouais. Vous avez aussi l'activité économique dont l'essentiel est concentré justement du côté de l'autoroute, ouais, avec le grand marché de Madina notamment. Vous avez également le centre des affaires Kaloum. Ouais. Donc oui, on peut constater des perturbations à ce niveau. Mmh. Mais pour dire, est-ce que il y aura forcément une mobilisation en tant que telle sur l'autoroute, ça, ce n'est pas gagné d'avance. Et on se rend bien compte que voilà, le il faut pas compter sur le RPG. Ben non, mais pas du tout. Pas du tout. Le RPG... Allez, nous partons sur le terrain, si tu permets, pour joindre Mohamed Tall, ancien ministre, directeur de cabinet du président de l'UFR. Il est en direct. Bonjour, monsieur Tall. Bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour aux auditeurs de film. Merci de répondre à notre invitation. Basseko. Bien, les manifestations pacifiques, les marches pacifiques annoncées par les forces vives ont effectivement démarré. On sait que sur la route Le Prince, par exemple, voilà, les activités sont paralysées. Il y a des tensions, mais on s'interroge quand même sur l'apport de l'UFR quant à la participation effective de ce parti pour réussir cette marche pacifique et surtout du côté de votre siège, de votre bastion qui est Matam, par l'ombre d'un seul militant de l'UFR dans les rues, qu'est-ce qui se passe exactement? Très bonne question, Basseko. Écoutez, vous savez, c'est une tradition depuis le régime d'Alpha Condé, hein, mais fortement sur l'axe. Et à force de répression, ils ont tellement acculé la jeunesse de l'axe qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'affronter ouvertement les militaires, les forces de défense et de sécurité. Et alors que de l'autre côté, c'est-à-dire sur l'autoroute, ils ont peut-être encore une possibilité de se réfugier quelque part. C'est ce qui, de mon point de vue, expliquerait cela. Mais il y a quand même de temps en temps des velléités où parfois on réussit quand même à bloquer quelques tronçons. Aujourd'hui, n'étant pas sur le terrain, je ne sais pas très bien quelle réalité. La question, elle est très claire, la question de Basseko, monsieur Tall. On ne sent pas du tout la présence de vos partisans. Où est l'UFR dans cet appel à manifester? Non, l'UFR est là. Ce que je dis, c'est lié, à mon avis, au degré de répression qui n'est pas tout à fait le même sur l'axe et sur l'autoroute. Et ça entraîne une forme de radicalisation d'un côté qui est beaucoup plus grande que de l'autre. Mais on a l'impression que les forces de l'ordre ne voient personne à réprimer du côté de Matam. C'est ça. Voilà, justement, il n'y a personne à réprimer parce que. On a l'impression que les forces de l'ordre ne voient personne en face, personne à réprimer parce que. Du côté de Matam. Ils ne sont pas sortis à Matam. Monsieur, quel dispositif concret avez-vous mis en place dans le cadre de cette manifestation organisée par les forces vives, dont l'UFR, l'UFR fait partie. Et l'UFR, qu'est-ce que vous avez mis en place pour la mobilisation de vos militaires? Pour la réussite de cette manifestation. Et nous avons mis en place le même dispositif que nous avons l'habitude de mettre en place, avec un succès visiblement plus grand, à vous entendre en tout cas. Je répète, je ne suis pas sur le terrain, j'essaie de suivre de près, mais j'avoue que je n'ai pas suffisamment de remontée. Mais si ce que vous dites est avéré, la principale explication serait la peur d'être réprimé, mais cette peur-là aussi s'explique par le fait qu'il y a peut-être un carré encore où ils peuvent se réfugier, ce qui n'est pas le cas des jeunes de l'Axe. Voilà. Mais ça, c'est pas de notre fait, c'est du fait des autorités depuis quelques années. Bien, Talibé. Ce qui a entraîné la radicalisation de l'Axe. Bien. Les observateurs disent que votre président n'a même pas lancé d'appel à manifester, contrairement à celui d'Alain Diallo. Qu'est-ce que vous en dites? Non, je crois qu'il a fait, peut-être ça n'a pas été suffisamment relayé par les médias guinéens. Il a fait un entretien sur la Deutsche Welle et je crois qu'au cours de cet entretien, il a clairement apporté son soutien à la manif et puis il a expliqué un peu les raisons pour lesquelles les forces vives appellent à manifester. Dernière question, Basseko. Les efforts qu'il fournit depuis de nombreuses années, et y compris au sein de ces forces vives-là,
suffisent pour les mettre au-dessus de tout soupçon. Ouais, Tal, beaucoup d'observateurs doutent de la capacité des forces vives de Guinée à faire fléchir le gouvernement par ces séries de manifestations, parce qu'elles se résument qu'à une petite portion du territoire national. Que répondez-vous? Mais je ne sais pas pourquoi on a cette approche assez réductrice des manifestations à Guinée. Les manifestations, c'est simplement une affaire de politique. Les politiques et les acteurs sociaux portent des revendications ou des aspirations légitimes du peuple de Guinée. Aujourd'hui, personne d'entre nous ne peut contester le fait que notre pays est sur une mauvaise voie. On nous engage dans une voie de confiscation du pouvoir par les militaires, une dictature qui s'installe avec des emprisonnements des leaders politiques ou des acteurs sociaux, des prisonniers politiques, donc, avec des privations de liberté très graves et une gouvernance à la dérive. Il y a énormément de dangers qui aujourd'hui pèsent sur notre pays. Si aujourd'hui les forces vives appellent à manifester, c'est un peu une expression des citoyens. On porte les aspirations des Guinéens. Ce n'est pas politique, ce n'est pas une question d'intérêt personnel. Donc, vous, journalistes, vous ne pouvez pas poser des questions parfois comme si c'était une affaire de politique, puisque vous-même, depuis que cette junte est en place, vous avez été l'objet de certaines menaces. Il s'agit de sauver le bateau Guinée. Nous portons simplement des aspirations qui ne sont pas spécifiquement les nôtres. Nous voulons sortir le pays des griffes de cette junte militaire. C'est ça l'objectif. Très bien. C'est pas un jeu entre acteurs politiques et junte. C'est beaucoup plus important que ça. L'enjeu, c'est comment sauver la Guinée et la mettre sur la voie du développement. Bien. C'est ça l'enjeu. Très bien. Mohamed Tal de l'UFR en direct. Dernière question, Talibé. Alors, il y a cette médiation des religieux qui semble en souffrance et le communiqué qui leur est attribué, si on peut le dire ainsi, en tout cas, qui porte la signature du grand imam et de Monseigneur l'archevêque de Conakry. Alors, est-ce que cette médiation, à votre avis, aujourd'hui, on peut dire qu'elle a totalement échoué? Je pense qu'il y a manifestement un problème de volonté politique, un manque de volonté politique. Je voudrais rappeler quand même que les préalables que nous avons posés à l'entame de ces pourparlers allaient bien au-delà des trois points qui ressortent un peu dans le communiqué des conjoints, des religieux et du gouvernement. Ça concernait également le cadre des exilés, le rétablissement des droits, ainsi que le cadre de dialogue. C'est parce que nous sommes animés de bonnes intentions, parce que nous voulons faire progresser les choses, nous voulons soutenir cette dynamique de dialogue, que nous avons accepté de séquencer ces préalables. De commencer par les droits qui sont liés aux individus, aux humains, qui pourraient améliorer immédiatement le sort des personnes qui sont aujourd'hui en détention. Injustement brimées, ouais. Injustement brimées, soit en détention, soit sous contrôle judiciaire. Une fois que ces trois préalables étaient satisfaits, nous allions donc progresser vers les autres préalables en estimant que le climat aurait été amélioré. Mais malheureusement, en dépit de tous les efforts que nous avons faits, n'oubliez pas que nous avons quand même reporté deux ou trois manifestations avant le début des échanges là, avec les religieux. Malgré tous ces efforts, nous sommes obligés de conclure que malheureusement, les pourparlers ayant échoué, nous devons renouer avec les manifestations. C'est ce qui a été fait. Donc, bien. Effectivement, donc c'est la seule arme qui vous reste. Il n'est même pas ici. Écoutez, les manifestations, nous ne les organisons jamais de gaieté de cœur. Oui, très bien, ça on le sait. Ouais. La voie indiquée pour résoudre les problèmes, surmonter nos différends, c'est le dialogue. Dans tous les pays démocratiques, civilisés qui progressent,
les problèmes, les conflits se gèrent à travers le dialogue. Les manifestations sont la conséquence d'un échec au niveau du dialogue. Mais malheureusement, avec le CNRD, on ne donne aucune chance au dialogue. Bien. Mohamed Tall de l'UFR en direct. Grand merci à vous, Monsieur Tall. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Bonne continuation à vous également. Et Mamadou Houry, cabinet, on apprend que voilà, ces dernières minutes, ça reste à vérifier que Sigri répond au mot d'ordre des forces vives de Guinée. Oui, ça reste à vérifier, évidemment. Bien entendu. J'ai reçu le même message, la même alerte que Sigri est rentré dans la danse. Ouais. Et effectivement, il y a déjà une évidence, c'est que c'est une manifestation qui est non autorisée. Sur le terrain, il y a des dispositifs pour empêcher sa tenue. Ouais. Donc, ce qui, de façon générale, est dissuasif pour que, si elle était plutôt autorisée, les gens sortent librement, se retrouvent librement et se mettent en branle du point de départ au point d'arrivée. Ouais. Donc, quand c'est comme ça, et généralement, vous avez les organisateurs qui donnent un plan B, c'est que les gens se mobilisent où ils peuvent, comme ils peuvent, pour donc protester. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Et là où cela se passe le mieux, et comme ils peuvent, c'est toujours l'axe que nous voyons toujours en train de se lapider avec les forces de sécurité. Mais quant à l'autoroute, je pense que c'était une rêverie. Pour moi, ça n'aurait pas eu lieu du tout. Ouais. Je pense que le RPG du côté de Kankansi, on peut mieux s'illustrer. Ça doit être... de ce côté-là. Ouais, du côté de Cancan. Le mot d'ordre va au-delà de Conakry. C'est, on a dit sur l'étendue du territoire à l'intérieur du pays. Donc il y a Cancan, il y a Sigiri et tout le reste qui constitue le fief du RPG. Donc à date, est-ce qu'il y a eu de la manifestation à Cancan-Ville, à Sigiri comme on vient de nous dire? Je pense que nos reporters nous diront tout ça. Pour le reste, ce que je veux dire, la répétition est pédagogique, je le disais hier à Boubacar. Hier, on nous a rapporté un cas de mort. Effectivement, il va falloir que le ministère de la Sécurité se prononce dessus. Ouais. Dans quelles circonstances est arrivé, si cela est arrivé, comment et par qui. Mais je constate justement que chaque jour, le nombre de morts augmente. Malheureusement. Depuis le 5 jusqu'à aujourd'hui, ouais, dans les circonstances de manifestation, nous sommes à plusieurs cas de mort. Malheureusement. Et je l'ai dit, à titre comparatif, comme nous regardons le procès du 28 septembre aujourd'hui, les cas de mort là, au point de vue pénal, sont mis au compte de ceux qui étaient en situation de gestion. Bien. Et quand viendra le moment de notre procès, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour des cas que nous vivons aujourd'hui, que les gens sachent que ceux qui sont en situation de responsabilité, qui envoient les gens sur le terrain, seront interpellés. Les leaders, en appelant à une manifestation, et on l'a vu dans leur mot d'ordre, ils ne disent pas aller prendre les armes pour aller vous attaquer au président. Ils ne disent pas aller renverser tout dans la rue, dans le pays. Ils disent manifestation pacifique. On ne peut pas leur interpeller au point de vue pénal. Ils auront les charges morales d'avoir perdu des militants, comme nous le voyons aujourd'hui dans le procès. Donc il faut faire attention en restant assis dans les palais et dire que quand il y a des morts, ça ne nous concerne pas, ça ne nous inculpera pas. Un jour ou l'autre, vous serez interpellés, comme ceux aujourd'hui qui sont à la barre du 28 septembre. Bien. Allez, dans un instant, on va tenter de repartir au stand pour joindre successivement Sékou Swapé du RPG Arc-en-Ciel et Joachim Baba Milimono. D'ici là, quelques réactions rapidement avec cet auditeur, Mori Konaté du service commercial et marketing de film. Bonjour à Bakary et à toute l'équipe. Moi, j'ai été victime hier d'une attaque entre Wanindara qui sort sur la T5. Mon téléphone a été emporté. J'ai eu la vie sauve grâce à une dame et un jeune, donc Mori Konaté, donc qui a été donc qui a failli être agressé hier entre Kisoso et Wanindara sur la T5. Voilà, heureusement, fort heureusement d'ailleurs, qu'il a eu la vie sauve grâce à une dame et un jeune, selon ce qu'il nous rapporte. Allez, cet autre, c'est Amadou Diallo depuis Matam Ermakono. Bonjour à Bakar, bonjour à toute l'équipe de Mirador. Pour confirmer ce que vous dites, je suis à l'instant sur l'autoroute à Bonfi. Il n'y a aucun manifestant ici. Donc Amadou Diallo qui nous envoie ce message. Allez, cet autre Youssef Kaba insistait sur le fait que la marche a été appelée dans tout le pays. Joignez vos correspondants dans les 33 préfectures pour relayer la déculottée que les populations ont décidé d'infliger à vos partis ultra-dominants. À Conakry, aucun mouvement sur l'autoroute. Où sont les partisans des forces vives, des forces dites vives? Résident-ils seulement sur une petite portion de la route, le prince?
qu'il rejoigne le rond-point de la tannerie. Et c'est Youssef Kaba qui nous envoie ce message. Allez, Swapé, voilà, c'est Sekou Swapé en direct. Bonjour, monsieur Swapé, bienvenue. Oui, bonjour. Merci de répondre aux questions de Mirador ce matin. L'icône. Vous avez appelé à manifester à travers tout le pays. Quel constat faites-vous? Beaucoup estiment d'ailleurs que c'est une sorte de déculotté qu'on vous a infligé voyant le mouvement à travers Conakry et l'intérieur du pays. Que répondez-vous? Bon, je ne vois pas où est cette déculottée parce que depuis hier soir, quand vous avez vu du côté de Zérékoré, c'est l'armée qu'on a déployée dans la ville de Zérékoré. Et puis hier, il y a eu déjà des victimes au niveau de l'Axe. Donc, on est dans une répression systématique. Et donc, je ne vois pas comment des gens qui tirent à balles réelles sur les enfants, vous allez parler de déculottés. Bien, mais la question qui est sur toutes les lèvres, quel est l'apport du RPG à Cancel dans ces manifestations appelées par les forces vives de Guinée? On ne sent nulle part votre présence, ou en tout cas celle de vos militants, ni ici à Conakry, particulièrement du côté de l'autoroute, ni à l'intérieur du pays. Quand semble n'avoir point bougé, on apprend, et ça reste à vérifier, que Sigri a répondu à l'appel. Qu'en est-il réellement de l'apport ou de la présence de vos militants dans cet appel à manifester? Moi, je ne savais pas que la guerre était divisée en zones partisanes au niveau des partis politiques. Bien entendu, chaque parti politique a son fief. On sait bien que l'autoroute, c'est votre fief. Oui. Les fiefs, généralement, c'est au niveau de l'intérieur, mais Conakry, c'est une ville où tout le monde occupe et partout. Et donc, essayez, peut-être... Vous n'allez pas me dire que la route Le Prince, c'est votre fief quand même? Mais les fiefs sont partout, et les militants sont partout, vous comprenez? Vous avez vu les élections municipales passer, quand on a... La commune de Matoto était très disputée entre Tos, qui a été notre candidat, et Kalumudu Yansané, qui a été... Nos candidats de choses, les candidats. Donc, cette affaire de fief, là, je crois que c'est une notion qu'il faut. Monsieur Swapé, c'est important. C'est pourtant important. Ouais. Vous parlez. Il n'a qu'à me dire concrètement. Oui, quelle est la présence de vos militants dans cet appel à manifester? Et surtout que vous parlez justement de Matoto, vous l'êtes disputé. Matoto, c'est quand même un maire du RPG, mais Matoto, ça répond pas. Ouais. Quand on prend Cancan, on ne pouvait pas nous dire que Cancan, c'est pas un fief du RPG. Ça répond pas. J'ai dit les fiefs, généralement, c'est à l'intérieur du pays où. Bien. Alors, on va rester sur votre position. Voilà. Comment comprendre que pendant qu'il est presque 11h, qu'il n'y a rien à signaler du côté de Cancan? Du côté de Cancan, je ne vois pas, mais vous tirez assez rapidement les conclusions, parce que nous sommes que le matin, vous avez les manifestations dans ces genres de situations où il y a la répression, les gens s'organisent et adaptent leur position en fonction du déploiement et de l'attitude des militaires sur le terrain. Mmh. Donc, il faut pas trop tirer hâtivement la conclusion. Bien. La journée n'est pas terminée, nous sommes que vers 11h. Reconnaissez que cette manifestation aujourd'hui se tient que sur l'axe. Donc, les forces vives aujourd'hui sont remorquées par l'UFDG, dont le leader a fait une déclaration à manifester et que vos partisans se sont résignés à rester à la maison. C'est vous qui parlez de résignation. Mais c'est ça la vérité, c'est sur le terrain, vous n'êtes même pas visible. Pas l'ombre d'un seul militant du RPG. Ces questions-là doivent être posées en fin de journée. Bien. Pas en fin de matinée. Bien, on sera là demain pour faire le constat ensemble. En tout cas, oui. Qu'est-ce que vous espérez obtenir, monsieur Sekou Swapé, à l'issue de ces manifestations? Écoutez, nous, vous avez vu la longue période pendant le mois de carême de d'échange entre le premier ministre et d'un côté les chefs religieux et de l'autre côté les forces vives.
Oui. Que nous avons voulu donner de la sens aux discussions pour qu'on puisse s'entendre. C'est-à-dire que les manifestations même là, c'est le dernier recours que les forces vives ont. Sinon, on a voulu discuter pour qu'on puisse s'entendre sur une transition et que les préalables qui ont été posés puissent être satisfaits afin que nous nous asseyons sous l'égide de la CEDEAO pour trouver un accord consensuel qui permette d'aller aux élections avec la participation de tout le monde et qu'on cesse d'instrumentaliser la justice et qu'on utilise la justice contre des gens parce qu'on veut simplement les éliminer. Ouais. Bien. Oui, Talibé. Alors, est-ce que certains estiment que s'il y a eu report des manifestations du 9 mars et jours suivants, que c'était du bon vouloir de pratiquement de l'UFDG seul et que au regard de la tournure des événements aujourd'hui, puisque pour le moment c'est l'axe seul qui s'est mobilisé, certains interprètent cela comme étant finalement une façon de sanctionner l'opposition de Selou Dalé à ce que ces manifestations aient lieu avant le Ramadan. Moi, vous dites certains estiment. Moi, je n'ai pas écouté ces certains-là. Bien. Je pense pas que. Je pense pas qu'il faut envoyer l'analyse de ce côté. De toute manière, vous avez vu dans l'histoire de notre pays les différentes manifestations organisées. Nous, on a commencé en 90 les grandes manifestations. Donc, je pense qu'il faut rester très réservé parce que la situation va évoluer de façon crescendo. De toute manière, ce qui est certain, c'est que l'opposition est déterminée. Nous nous organisons sur le terrain. Bien. Il y a des imperfections aujourd'hui. Nous allons les corriger et nous obtiendrons ce que nous voulons. Très bien. Sekou Swapé du RPG Arc-en-Ciel en direct. Grand merci à vous, Monsieur Swapé. Merci d'avoir participé à cette émission. On va amorcer la dernière ligne droite, Tidiane. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Dernière prise de parole à venir, celle de Joachim Baba Milimono de l'UFDG de la NAD qui va s'exprimer, que Tidiane va appeler dans un instant. Quelques réactions en 30 secondes avant de donner la parole à Kabi. Ce message, voilà, c'est très très long, franchement, on ne pourra pas le passer. Tidiane Barry de Kobaya, l'enfant du secteur Barkele Pouke Abakar, c'est connu dans tout le monde. Présentement, le RPG et l'UFR ne peuvent rien faire. C'est pourquoi je demande aux jeunes et parents de Ratoma que nous devons nous lever contre ceux qui viennent d'autres communes pour faire des détournements, des brigandages. Voilà, Tidiane de Kobaya qui nous envoie ce message. Cet autre, bonjour Aboubacar, ce pays doit avancer moralement, ce n'est pas le cas. Dommage à Lia Konsoba, l'enfant de Dengray, qui nous envoie ce message. Cet autre, c'est Elage Souleymane Diallo Kalenko. Concernant M. Bachir, il ne peut rien pour l'axe. Vous voyez, même l'armée est déployée par Mori, mais est-ce que ils ont pu calmer la situation? Non, c'est dommage pour le pays. Selon Elage Souleymane Kalenko, cet autre, c'est aussi depuis Bailoubaya, de Kagbele à Sonfonia, la circulation est presque inexistante, mais l'FDS circule d'un moment à l'autre. Allez, Abou Poutine Banco qui s'exprime aussi. Ceux qui s'acharnent je comprends pas. Voilà, faut essayer donc de vous appliquer. Allez, un dernier, Moussa Kroudou qui nous a écrit. Voilà, merci Moussa. Djambouria aussi qui nous a écrit, merci. Lamarana Yimberin, le tout dernier qui s'exprime. Vu la situation actuelle du pays, j'invite le colonel président d'éviter l'effet de la partie toxique de son équipe CNRD et à faire marche arrière pour écouter le peuple et de bien collaborer avec son unique élu, le prochain président CDD. Qu'il veuille ou non, le colonel devrait savoir que le pays ne lui appartient pas. Voilà, selon Lamarana Yimere. Est-ce qu'il est déjà là? Bien, on vient d'écouter ce que soit, cabinet.
Non, moi je comprends bien M. Swapé quand il tente de relativiser un peu, mais on sait que analyser les manifestations ou même les modes d'action en Guinée, sans pouvoir y ajouter l'aspect spatial, ça n'a pas assez de sens, l'analyse devient incomplète. Ce que vous avez aujourd'hui, le Conakry qui constitue donc le bastion de le cœur même de ces manifs-là, à cause tout simplement du fait que l'UFDG est assez présente dans la capitale, et ça se comprend en termes d'intérêt pourquoi les militants de l'UFDG se mobilisent tant. Et c'est d'ailleurs ça l'enjeu. L'enjeu pour pouvoir faire sortir les gens pour n'importe quel mode d'action que l'on entreprend, c'est d'abord l'intérêt. L'intérêt que l'on suscite à ce que les gens se mobilisent, ouais, à ce que les gens sortent. Aujourd'hui, est-ce que la manifestation, puisque la manif consiste à quitter d'un point A vers un point B, est-ce que techniquement, je le dis sciemment, pourquoi est-ce que ceci est possible? Je pense qu'il faudrait, bien, de mon point de vue, aller vers disons les villes mortes. Bien. Il faut opter vers les villes mortes, ouais, et cela permettra justement de... Même si Joachim n'est pas d'accord, voilà, qu'on n'a pas pu joindre pour l'instant, il dit: je trouve que vous allez un peu vite en besogne en concluant que c'est un échec alors que nous sommes que 10 heures, la journée est longue. Voilà, finalement, voilà, il nous signale qu'il est joignable sur WhatsApp. Donc il n'est pas d'accord. Non. Alors qu'on n'a pas, notre propos n'est pas de dire que c'est déjà un échec. Non, Aboubakar, en fait, il finit. Si tu pardonnes, on l'a dit qu'en général les manifestations montent crescendo, oui, bien sûr, après 10 heures. Oui, bien donc sûr. On n'a pas fait un constat d'échec. Non, alors définitif. Pas du tout. On le dit pour le moment, le constat pour que. Mais le constat qui semble être évident. Qui semble être vrai, c'est que le RPG Arc-en-Ciel n'a pas bougé. Non, c'est ça le constat. Le problème qu'on a. Et ça, on ne peut pas le nier. Le problème qui s'oppose, justement, c'est dans le choix de l'action, du répertoire d'action. Quand vous prenez la manif, ça suppose que vous déversez des gens d'un point A vers un point B. Ceci est difficile à vérifier. C'est pourquoi je pense qu'il faut plutôt opter, si on regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui, il faut plutôt opter vers les villes mortes. Les villes mortes supposent que les gens restent à la maison. Et que l'on puisse vérifier. Si on ne peut bien pas vérifier, et donc la capacité... Donc vous exhortez les forces vives à opter plutôt pour, oui, les journées villes mortes. Puisque la manif, ça suppose que... Parce que les regroupements sont impossibles. C'est ce qui fait que c'est difficile. Bien entendu. C'est ce qui fait que c'est difficile. Ce n'est pas mauvais comme proposition. Il n'y a pas de possibilité de se rassembler. Et c'est difficile donc de vérifier. Voilà. C'est pourquoi Joachim ou Monsieur Swapé pense que... Voilà, on va vite en besogne. Voilà, parce qu'il y a Mohamed Fofana aussi qui n'est pas d'accord. Bonjour Mirador, vous analysez la capacité de mobilisation du RPG avec une idée préconçue. Ça ne facilite pas la compréhension aux millions d'auditeurs de Fume FM. Le RPG a fait face à un régime militaire pendant près de 30 ans et nous avons mené le combat sans relâche. Rassurez-vous que nous avons fait un travail de fourmi et le résultat sera en faveur des forces vives de Guinée. Rassurez-vous de la victoire des FVG avec une contribution très remarquable du RPG Arc-en-Ciel. Si vous le dites à Mohamed Fofana, et voilà, je pense que les forces vives de Guinée ne peuvent pas espérer mieux que de compter sur la grande machine du RPG Arc-en-Ciel. Malheureusement, ça n'est terminé pour aujourd'hui. Voilà, on est obligé de rendre l'antenne, la radio c'est l'heure. Grand merci à tous les six, merci également à nos équipes, à la réalisation, à la transmission, Ibrahim Diallo et son homonyme Ibrahim Silla. Merci de l'attention où que vous nous avez suivis dans le monde. À venir cette édition spéciale à la mi-journée à 13h avec à la modération Ibrahima Khalil Diallo, le maire de sa génération, pour vous permettre donc de faire un bilan d'étape de cette journée de manifestation à l'appel des forces vives de Guinée. Demain, nous serons là quand il sera 8h pour continuer d'évoquer ces deux journées de manifestation, pour dresser un bilan de celle d'aujourd'hui et faire le constat de celle de demain. Merci de l'attention, à demain, au revoir. FIM FM, FIM 24. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubakar Diallo, Talibé Barry, Mamadou Ouri Diallo, Akumba Diallo, Kabine Fofana, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.